tout est prêt, tout sera bon, et puis il y aura plein de systèmes. Bah, c'est classico, hein, il y aura des systèmes d'host, il y aura des parties officielles qui seront organisées tous les jours aussi, donc c'est-à-dire à des horaires précises, un peu comme UHCFR à l'ancienne, tu te souviens. Donc pareil, tu auras des hosts précis qui seront faits chaque jour, donc 17h, 19h, 21h, certainement, dans ces eaux-là, peut-être plus tard aussi, peut-être dans l'après-midi, je sais pas. Mais en gros, tu auras des hosts officiels, entre guillemets, et tu auras des petites surprises aussi sur le serveur dont on ne parlera pas pour l'instant, parce que le but, c'est pas de tout spoil à l'avance. Mais voilà, et tu auras des petits trucs. Mais en gros, tous ceux qui aiment l'UHC, vous aurez du contenu sur le serveur pour pouvoir jouer de manière plaisante sur le serveur et pour vous donner des raisons de jouer. Voilà. Et en gros, là, on sait qu'à peu près la plupart des UHC vont fonctionner puisque bah là, déjà, quand on teste les Demon Slayer, bah, c'est déjà les plugins qu'il va y avoir sur le serveur. Donc en fait, on sait très bien que ça va marcher, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on fait les tests là, parce que tant qu'on... Là, il nous manque juste l'infra, en fait, à refaire, parce que du coup, on avait tout pété, là, pour faire Guild Games. On va refaire cette infra, mais on continue de tester un petit peu les UHC dans les game subs pour vérifier un peu les bugs qu'il y a. Et voilà, donc voilà. Des UHC en 1.20, ouais, je pense. Peut-être pas tout de suite, hein, on va pas se mentir. Mais oui, c'est prévu dans tous les cas que ça arrive, ça c'est sûr et certain. Puisque moi, je pense que les UHC en 1.20, ça a un gros potentiel. Et surtout, en vrai, hier, on y a... Enfin, j'ai fait une game hier soir en 1.20 avec le PvP 1.20. Et en vrai, c'était carrément clean. C'était même trop bien. Faut juste voilà, faire attention à tout ce qui est limite de stuff et tout ça. Mais c'était carrément juste trop bien. J'ai vraiment kiffé de ouf. Et je pense que ça pourrait être une super idée de commencer pas à faire une transition, mais de, voilà, de proposer aussi deux types de gameplay différents. Et puis les UHC 1.20, finalement, c'est pas si mal que ça. Donc voilà. Quel intérêt les UHC en 1.20? Bah, quel intérêt, c'est que c'est plutôt bien en fait. C'est que c'est finalement plutôt bien en vrai. Hein. Je vais pas te mentir. Et qu'il y a beaucoup plus de possibilités en 1.20 qu'en 1.8. Hein. Et que le PvP 1.20 est beaucoup plus intéressant que ce qu'on imagine en réalité. Hier, on a fait le Panini UHC, on l'a fait en 1.20. Et ben franchement, je vais pas vous mentir que c'était carrément ultra intéressant. Le skill, c'est pas du tout le même qu'il faut avoir, forcément. Et c'est trop bien, en fait. Moi, j'ai grave kiffé hier soir, j'aimerais grave en refaire. Donc voilà, possibilité au niveau de quoi, des plugins. Bah, par exemple, pour certains modes de jeu, type les modes de jeu type LG, Demon Slayer, tu peux, en 1.20, apporter des ambiances avec le texture pack, créer des choses en plus, hein. Faire des choses qui changent, on va dire. Coordonnées, hop là, des choses qui changent directement et pas tout le temps la même chose, en gros apporter des petites nouveautés qui sont réellement intéressantes pour le coup, voilà, ce qui serait pas trop mal, on va pas se mentir, parce que c'est vrai que là maintenant les UHC tournent un petit peu en rond et en vrai nous on sait avec LGUHC, avec Lapin, on a plein d'idées de nouveautés qui sont possibles en 1.20 uniquement. Mais tu verras, on va pas trop forcément vous spoiler à l'avance, mais voilà. Mais oui, il y a vraiment des possibilités de ouf en 1.20. Enfin, de toute façon, dites-vous que tous les events qu'on a fait jusqu'à présent, maintenant, on les fait dans les dernières versions parce qu'on a pris de l'expérience sur tout ça et on connaît les possibilités de la dernière version, en fait. Hein. C'est ça le truc. Hein. Puis en vrai, honnêtement, les mecs qui sont forts en 1.8 vont être forts en 1.20 aussi. Hein. Ça, je vous le dis, c'est sûr, à 200%, il n'y a pas d'autres possibilités. Je suis bien d'accord avec toi, c'est toi le boss de Minecraft en France, de toute façon, fais-nous kiffer. Mais merci, mon gars, c'est trop gentil, Slide, merci. Ça me fait plaisir. Et d'ailleurs encore bravo hein, pour la perf sur scène que vous avez fait, franchement vous nous avez régalé quand vous étiez là. Très content en tout cas, on a bien choisi nos équipes sur scène, franchement vous avez régalé. Donc c'était trop cool, on a vraiment passé un bon moment. On voit tes co-ouais, je sais mais c'est pas grave, t'inquiète hein. Ça sera utile pour la vidéo si jamais j'en ai besoin, mais sinon non t'inquiète c'est pas... On s'en fout hein, qu'on les voit ou pas, t'inquiète pas, ça dérange pas. À quand UHC World? Eh bien quand ça sera prêt. Et là, il faut qu'on refasse l'infrastructure, donc dites-vous qu'on teste les UHC là dès maintenant, mais qu'après, bon, ça va demander encore un petit peu de temps pour que tout fonctionne de manière parfaite. Hein. Mon jeu est hyper fluide aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai touché, mais c'est archi fluide, là. En fait, j'ai remarqué que depuis que je ne recorde plus sur mes disques durs principaux, c'est archi fluide, mon jeu. Je sais pas pourquoi. C'est trop agréable, hein. Vraiment. Hein. Donc voilà, il y a quoi de nouveau en 1.1? Oh bah, tout, mec, tout. Test, hein, tu verras. Va en 1.20 et tu verras que la plupart des jeux de maintenant sont faits en 1.20 pour des raisons très simples. C'est qu'en fait, niveau customisation, tu peux tout faire en 1.20. Regarde par exemple, tu vois le Tombé les gars qu'on a fait au Guild Games. Enfin, je sais pas si vous avez regardé les Guild Games, mais on a fait une sorte de Fall Guys sur Minecraft. Ça, c'est impossible à faire en 1.8 par exemple. Impossible. Aucune possibilité de le faire. Pareil, il y a des packs de textures, il y a des ressources packs qui sont beaucoup plus limitées en 1.8. En 1.20, on peut créer des ambiances, on peut mettre des datapacks aussi directement. Enfin, il y a plein de choses qui sont vraiment hyper intéressantes en 1.20. Et puis même, niveau stabilité des serveurs, la 1.20.2 qui est sortie bah là, il y a deux jours. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu le patch note. Mais en gros, la 1.20.2 va changer beaucoup de trucs au niveau des serveurs. Et
à améliorer très nettement la, améliorer la fluidité des serveurs, etc. Et ça, ça fait je sais pas combien de temps qu'on la demande. C'est la meilleure mise à jour qui est sortie depuis très longtemps, parce que clairement ça va mettre un petit peu de temps, mais en gros la génération des mondes ne fonctionne plus de la même façon sur les serveurs, etc. Et c'est trop bien. La 1.20.2, elle est trop bien. Elle est beaucoup plus opti. Oui, pour nous les serveurs ça va être beaucoup mieux, mais il faut refaire plein de choses. Mais regarde le patch note, tu vas voir, mais forcément ça paraît pas énorme quand tu lis, mais en vrai si si. Nous quand on l'a vu, on est très très content de cette 1.20.2. Et d'ailleurs c'est vraiment cool qu'il l'ait faite finalement, cette mise à jour qui vient un petit peu tout améliorer niveau optimisation et fluidité. Et clairement c'est beaucoup mieux pour les serveurs. Maintenant ça va prendre un petit peu de temps pour que tous les serveurs se mettent sur cette version là, mais clairement ça fait du bien quoi. Vraiment. Ça fait vraiment du bien. Clairement. Moyen de check, mon dernier gros message. Je peux pas le faire après le stream, please. Là, je t'avoue que check des gros messages en live. Bon, tu vois, après le stream, là j'ai des tonnes de MP là. Je regarderai après, je t'avoue. Si j'oublie pas. Faut aussi que Spigot Paper se mette à jour. Oui, non mais ça je pense ça se fera. Hein. Ça va se faire ça, t'inquiète, hein, je pense. Hein. Ça se fera, mec, t'inquiète. Façon de parler, je veux dire dans le chat. Hein. Dans le chat de quoi? Ah, dans le chat du... Ici, là? Bah, renvoie-la ta question. Renvoie-la. Remets-la, mec. Remets-la. Tu peux mettre tes CPS? Non, c'est inutile. Hein. Je fais 7 CPS et... Le mode des CPS, les gens qui le mettent, en général, c'est pour flex. Hein. Donc, je m'en fous un peu, je t'avoue. Je joue pas à Minecraft pour faire 12 CPS. Hein. Je t'avoue que j'en ai rien à foutre. Hein. Donc clairement, j'ai hâte de voir des serveurs UHC en 1.20. Ouais bah UHC World, il y aura forcément des trucs en 1.20 au bout d'un moment, c'est sûr hein, je pense. Hein. C'est sûr et certain parce que nous, quand on va créer des choses, par exemple on va faire, vous êtes au courant, mais on comptait faire un LG en 1.20. Et bon ça va prendre du temps je pense, mais sans grande surprise, s'il y a un LG en 1.20, on finira par le mettre sur UHC World au bout d'un moment, c'est sûr et certain tu vois. Donc bon, c'est pas un peu risqué de commencer un serveur Java actuellement au vu de ce que Mojang fait? Non, parce que au niveau serveur, en vrai, pour Mojang, il y a quoi qui est vraiment impactant? À part le fait que tu n'es plus le droit de faire des serveurs craqués. Bah c'est tout quoi. Pff. C'est tout hein, tu vois. Par contre c'est PvP 1.20 ou 1.8 ou 1.20? Ah non, jamais on mettra le PvP 1.8. Hein. Ça je te le dis. Le PvP 1.8 ou 1.20 ne sert à rien en fait. C'est vraiment nul à chier. C'est limite juste du spam click et c'est... Y a vraiment même pas de skill ou de quoi que ce soit. Tu peux même pas mettre de combo comme un 1.8. Ça ne sert à rien, strictement à rien. Y a aucun skill particulièrement. Et pendant un an ou deux, on s'est voilé complètement la face en mettant ce PvP 1.8 dégueulasse en 1.20. Qui n'est pas le PvP 1.8, c'est juste de la merde en fait. C'est tout ce que c'est, voilà. Hein. C'est juste de la merde. Et c'est nul en fait de jouer à ça, c'est nul, 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 vraiment, c'est nul. À chaque fois que je fais un UHC avec ce PvP 1.8 en 1.20, c'est-à-dire une reproduction, c'est de la merde, vraiment, c'est de la merde. En vrai, sur Wintail, il est grave clean, il reste qu'il est... Bah moi j'aime pas du tout, tu vois. Sur n'importe quel serveur où je vais où il faut spam click dans cette version, je ne comprends pas l'utilité. Genre vraiment, je trouve qu'avec les knockbacks sont trop bizarres, la hitbox est trop bizarre, le système de régénération de vie c'est trop bizarre, parce que une fois que t'es full vie, tu régènes toute ta vie, c'est trop bizarre. Tout est trop bizarre en fait. Donc bon, c'est possible de relier une infrastructure avec un DS, avec un serveur 1.8 à 1.20 pour le hub, et si jamais tu vas en Demon Slayer, t'es sur un serveur 1.8 littéralement pour le vrai PvP 1.8, mais pour d'autres modes de jeu 1.9+, t'es TP sur un serveur 1.9+ littéralement. Oui, puisque je crois que Hypixel le font, donc oui c'est possible. Après, est-ce qu'on va le faire dès la sortie du serveur? Certainement pas. Parce que si on fait ça, on le sort dans un an quoi. Clairement hein. Voilà, est-ce que c'est vraiment utile là ou pas? Après, ce qu'on peut aussi faire hein, directement, c'est sinon de faire... comment dire? C'est de faire en fait un bouton directement sur le serveur. Tu fais un bouton où il y a écrit « Passer sur le serveur version 1.19 ». Hop! Si t'es pas en 1.19, ça te dit non. Si t'es en 1.19, ça te dit oui. Et puis voilà, tu vois, ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Hein. T'as vraiment juste un plugin à mettre pour avoir un lobby multiversion. Oui, non, mais c'est pas ça le problème. Ça, oui, le lobby multiversion, oui. Mais c'est pas ça le problème. C'est faire en sorte que, en gros, les UHC 1.8 ne puissent être joués que... Enfin, c'est trop bizarre, en fait. Parce que, du coup, ça veut dire que même si t'es en 1.19, tu pourrais jouer des UHC en 1.8. Enfin, c'est bizarre. Est-ce que c'est utile car tu dois changer de version Minecraft toi-même, donc autant dans tous les cas pour que ce soit clean? Oui, on verra, on verra. Honnêtement, je sais pas. On n'y a pas réfléchi encore. On fera au mieux, ça c'est sûr. On va pas faire un truc qui nous semble débile, ça c'est sûr et certain. Justement, tu dois avoir la bonne version. Bah du coup, quelle utilité? Quelle utilité, tu vois? Vu que dans tous les cas, tu dois redémarrer ton serveur. On verra, honnêtement, on verra. Je sais pas. Je préfère pas répondre tout de suite. Ah, je sais pas comment ça fonctionne, donc je demande. Ouais, bah en vrai, c'est un peu... Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est...
Personnellement, ça me dépasse, hein, ce genre de choses, donc je préfère pas répondre. Mais je sais pas si les autres seront vraiment chauds pour faire ça, pour être honnête. Ça nous ajoute beaucoup de galères potentielles. Donc on verra. Surtout que le but, c'est pas de le sortir dans un an, le truc. Hein. Donc bon. On continue le training après avoir regardé les tutos de Fanta et avoir compris comment ouvrir une porte. Je commence à faire des enchantements. Je possède du Blast Protection 3, Projectile 2, Fire Protection et une épaisse Might 4. Premier UHC dans 9 mois. Merci Kazuto. Kazuto, il nous régale avec chaque mois ses... C'est son récit de son aventure Minecraft. Merci Loulou aussi pour les 7 mois. Je crois que je t'ai déjà remercié, mais je sais plus. Au cas où, je te remercie tout de même. Mais ouais, ça débat de quoi, le serveur de guild? Ouais, c'est ça exactement, ouais. Parce qu'on disait qu'en gros, il y aurait certainement des UHC en 1.20 au bout d'un moment. Et du coup, les gens me demandaient est-ce que c'était pas possible de faire un système de... en gros, si tu peux te connecter dans toutes les versions sur le serveur. Sauf qu'en gros, si tu vas dans un UHC type un Demon Slayer, ça te met sur un serveur 1.8, donc en vrai 1.8. Alors, vous me permettez, je vais refaire ça. Je vais pas utiliser la pioche qu'elle a parce qu'elle n'est pas enchantée. Donc je vais utiliser cette pioche qui est ici, histoire de ne pas tout casser quand même. Mais ouais, du coup, on me demandait si c'était possible ou pas, donc on verra. Tu regardes quel anime en ce moment? Alors, là, en ce moment, je re-regarde SNK. Parce que vu qu'il va y avoir le dernier épisode qui va sortir, je voulais me refaire toute la série. J'avais commencé One Piece il y a pas si longtemps, je suis à l'épisode 180, donc je suis très loin. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Bah c'est tout, hein. En vrai, je regarde pas grand-chose en ce moment. Hein. J'avoue que je regarde pas des masses de trucs. Et puis c'est tout. En vrai, j'ai pas 10 000 choses à regarder en ce moment. J'ai recommencé il y a quelques jours. Hein. SNK? Ah, c'est trop bien SNK, moi je trouve. Franchement, en vrai, ce qui est trop bien avec SNK, c'est quand tu regardes tout d'affilée, quoi. C'est trop cool parce que les épisodes s'enchaînent vite, l'histoire s'enchaîne vite, il y a que 80 épisodes au total, et franchement, nickel, quoi. Tu regardes pas les sorties chaque semaine, genre JJK ou autre? Bah, JJK, justement, on va commencer avec l'eau parce qu'on avait essayé de commencer 3-4 fois. À chaque fois, on avait droppé à l'épisode 10, mais on a vu l'animation de la saison 2, et du coup, ça nous a juste grave donné envie. Donc, on va regarder. Je pensais que ça allait me saouler dès le premier épisode, j'étais repris dedans. Mais oui, mais c'est incroyable cet animé. Hein. Franchement, je trouve qu'il n'y a aucun épisode de vide dans l'Attaque des Titans. C'est incroyable cet animé. Il n'y a aucun épisode de vide en fait. Il y a 80 épisodes et dans tous les épisodes systématiquement, il y a des choses intéressantes. C'est trop bien. Donc bon, pourquoi tu regardes pas SNK en live avec nous? Parce que sinon ma chaîne Twitch elle saute. Parce que sinon je me fais ban, hein, de Twitch. Merci Velocipman pour le Prime. Merci Lifehax. Merci pour les 6 mois de sub. Donc bon, non, j'ai pas regardé Hunter x Hunter aussi, faudrait que je regarde. Donc ouais, rôle dans 7 minutes 50, let's go. Tu aimerais refaire des events comme les Game for Animals si t'es invité? Ouais, après ça dépend de plusieurs choses, des dates, enfin ça dépend de plein de choses, mais oui pourquoi pas, oui avec grand plaisir. Puis ça dépend aussi des gens qu'il y a dedans, parce que malheureusement dans ce genre d'événement où t'as beaucoup de streamers, des fois t'as des gens qui sont, où t'as pas forcément envie de t'associer avec, on va dire, tu vois. C'est pour ça que j'essaie de demander souvent qui y a, parce que en général moi je m'en fous, hein, si c'est des gens que je connais pas, ça va. Mais j'essaie de me renseigner parce que s'il y a des noms de gens à qui j'ai pas envie de m'associer, bah forcément, j'ai pas envie de me retrouver dans certains events pareil que eux, quoi. Let's play Tunic, ça pourrait être intéressant, j'ai jamais fait Tunic, j'aimerais bien le faire. En plus je crois que c'est un jeu qui est pas si long que ça à faire, donc pourquoi pas, ouais. Je trouve que la saison 3 de SNK est vraiment pas dingue, mais qu'est-ce que je lis dans le chat, La saison 3 de l'Attaque des Titans est vraiment pas dingue. Qu'est-ce que tu racontes, c'est la meilleure saison, mon gars. C'est la saison où tout prend forme. C'est la saison où tu comprends tout depuis le début. C'est la saison où tu comprends que depuis le début, en fait, on t'a tout spoilé devant les yeux, mais que tu n'as rien compris. C'est tellement la meilleure. Oui, c'est sûr que c'est plus la même chose que la saison 1 où c'est humain contre titan, quoi. Mais voilà, c'est tout, tu vois. T'as déjà joué à Inscription? Ah, Inscription, ouais, j'ai joué, ouais. Je me suis inscrit quelque part, ouais. Merci à Kodobé, j'avais zappé de faire ça. Bah, merci, mon gars, ça régale. Tu es le boss. Tu es le boss. Merci à tous pour vos subs. Mettre la musique un peu plus fort, j'entends rien du tout, moi. Plus fort la musique là-haut, la musique de TOTK, c'est cool, mais on veut plus fort en fait. Vous voyez ça, c'est les vidéos YouTube où le mix est inexistant, c'est-à-dire que tu dois augmenter et baisser le son toutes les 2 secondes. Bravo à tous. Donc ouais. Il y a moyen de te MP Discord? MP Discord, laisse tomber. Hein. Mais MP Discord, c'est le gros bordel. Hein. Donc j'ouvre pas, pour être honnête. Envoie-moi sur Twitter ou sur Insta si tu veux. Parce que sur Discord, en fait, c'est un peu le réseau où... Bon, je vais pas mentir, hein, mais c'est un peu le réseau où il y a aussi tous les enfants, hein, on va pas se mentir. Et du coup, quand tu regardes mes DM, il y a beaucoup de « Salut, ça va ?»,« Réponds STP », de « Je peux t'appeler », des gens qui m'appellent en boucle, des trucs comme ça. Donc bon, MP Discord, voilà quoi. Est-ce que tu vas jouer sur Ornate? Non. Non, ce n'est pas prévu.
Donc voilà. Pourquoi tu n'as pas le droit de stream SNK? Parce que t'as pas le droit de streamer les animés. C'est pas que SNK, c'est que t'as pas le droit de stream des animés qui sont soumis à du droit d'auteur. Et sur Twitch et ce genre de trucs, normalement t'as pas le droit. Pareil, le React, c'est... Voilà, oubliez pas que dans tout ce genre de comment dire, de trucs que vous regardez dans les React, bah, y a des droits d'auteur derrière, donc t'as pas le droit normalement de regarder, hein. Tous les gens qui font du React, ils jouent avec les limites des règles, hein. Donc bon, là peut-être chain kick pour React. Bon, enfin, la flemme, hein. En vrai, la flemme de ouf, hein. Donc ouais, hein. C'est quand que tu sors la Wii des cartons, mec, j'aimerais trop, putain, j'ai trop envie, mais j'ai trop la flemme en même temps, c'est chiant. Eh, faudrait que je ressorte ma Wii, mais j'ai la flemme en même temps, hein, franchement. Ouais, pareil pour tout, effectivement, ouais, pour plein d'events, hein. Tout à fait, ouais. Ah, voilà, il y avait du diams là. T'as toujours l'idée de faire sponsor le serveur pour que tout le monde host et qu'il n'y ait pas de grade? Faire sponsor le serve, oui, pour que tout le monde host et qu'il n'y ait pas de grade. Alors ça va être compliqué du coup, parce que si on fait ça, bah le serve explose du coup. Donc non, ça c'est pas possible par contre. On peut pas faire en sorte que tout le monde host, parce que sinon tout le monde va hoster une partie vierge et ça va jamais marcher. Et ça va juste faire crash à l'infini. Mais enfin ça c'est ce qu'on voulait faire au début, mais après on s'est vite rendu compte qu'en fait bah... Bah techniquement parlant ce n'est pas possible en fait, hein. Si jamais techniquement parlant, on s'est vite aperçu des limites qu'un projet comme ça avait. Donc ouais, il faudrait des serveurs, il faudrait peut-être 5 milliards de serveurs, donc non, je pense que c'est juste pas possible, hein, on va pas se mentir. Mais on va essayer de limiter au maximum les grades, mais on pourra pas faire en sorte que tout le monde host, hein. Ça c'est impossible. Ouais, parce que si, en fait le problème c'est que, ouais, c'est quoi cette musique de merde, je sais pas, c'est une playlist de merde, je sais pas. Tomodachi Collection Platinum, c'est de la merde là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Moi je veux des vraies musiques de jeux vidéo, des bonnes musiques en fait. Genre ça, voilà, ça c'est bien. Surtout, oui, la dernière fois quand on a essayé de faire ça, Bichard avait fait 15 hosts tout seul, hein, voilà. Donc Bichard faisait un host, il a déco, il a fait 15 hosts tout seul, ça a fait crash le serveur. Voilà, comme ça vous le savez. Donc bon. Enfin, de toute façon, on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant de ce qu'on fera exactement. Et puis voilà. On verra. T'as une date approximative de quand le serveur sortira? Pas du tout. Pas du tout. Là on va refaire la version alpha, enfin on va recommencer la version alpha, mais pas du tout de date approximative. Et de toute façon on ne donnera pas de date approximative, c'est-à-dire on donnera une date quand ça sera sûr à 100%, sinon on donnera pas de date. Ça sert à rien de donner des dates approximatives à part décevoir les gens. Ça c'est un truc que je me suis aperçu sur Minecraft, hein. Les dates approximatives n'ont que pour effet de décevoir les gens en permanence. Parce qu'à chaque fois quand tu donnes une date, les gens s'imaginent à 100% que cette date peut être tenue alors que t'as toujours des problèmes, donc non, il n'y aura pas de date approximative, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Et pas que sur MC évidemment, ouais. Il y a un Discord pour le serveur ou pas? Tout à fait, Narenra, oui, tout à fait. Discord.gg/UHCWorld. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo, j'en parle au début. Comme ça, au moins, on va relancer petit à petit un peu la hype. Puisque de toute façon, ça va être le prochain projet qui va sortir, c'est ça. Donc du coup, on va relancer un petit peu petit à petit. Et voilà quoi, hein, ça va revenir au fur et à mesure là. Hein. Je vous le dis. C'est quand la prochaine vidéo? Bah demain mec, hein. Lundi donc demain, c'est ça. Demain 17h, et après ça sera jeudi prochain, normalement. Ou peut-être vendredi, ça dépend. Ça dépend si j'ai réussi à finir la vidéo cité ou non. Eh oui, c'est ça la question. Parce que vu que malheureusement je vais devoir m'absenter cette semaine à un moment donné, et bah en fait vendredi je ne suis pas là, vendredi soir, et samedi je ne suis pas là la journée non plus, eh ben je ne sais pas, ça veut dire qu'il faut que je termine la vidéo d'ici jeudi. Et ça va être ouch. Donc on verra. Quand sort la vidéo de la Cité des Nations? Bientôt là, j'arrive au bout, mais le problème c'est qu'en fait j'ai tous les jours des trucs en fait en ce moment, et c'est compliqué pour la finir. J'avance petit à petit, mais bon... Le problème c'est que j'ai d'autres vidéos à faire à côté, quoi. C'est ça le souci. Genre là par exemple je dois faire la vidéo Panini. Donc du coup bah... Je vais devoir mettre en pause le montage de la vidéo Cité des Nations pendant un jour ou deux, et voilà, et du coup j'avance jamais. Et en fait c'est toujours comme ça que ça se passe, hein. C'est que à chaque fois j'ai une vidéo à faire, donc je dois mettre en pause le montage de la grosse vidéo pendant deux jours, puis je reviens, je remonte deux jours, puis après je repose, etc. La deuxième vidéo Cité de l'été, c'est toujours dur à faire. Ouais, mais là c'est même pas que c'est dur à faire, c'est juste que j'ai pas le... Enfin, ça me dérange pas de la faire, c'est juste qu'en fait j'ai pas le temps en fait. Parce que j'ai mal géré mon organisation, et je pensais sincèrement que j'aurais pu faire la vidéo Cité avant les Guild Games, ou genre en rentrant des Guild Games. Et du coup j'avais mis plein d'OP, trucs comme ça en début de maintenant. Enfin en fin de mois. Et du coup je dois tenir ces dates d'OP, donc comme là qui sont sorties. Sauf que bah du coup c'est le merdier quoi. Mais bon,
Vous inquiétez pas, ça va arriver quoi. Est-ce qu'il y aura une édition 2 des Guild Games? Je pense que oui, ça va dépendre de si on a le financement ou non, parce que là, effectivement, cette édition, c'est un énorme trou financier pour moi. Et donc, je ne pourrai pas le faire deux fois, ça c'est sûr et certain. Mais c'était un investissement pour se dire qu'on pourra le refaire en espérant que ça ait plus à des marques, qu'on ait plus facilement, qu'on arrive plus facilement à en trouver. Peut-être vous, ça, que ça vous intéresse, quitte à faire une cagnotte pour aider au financement, etc. Parce que, bah voilà, ça m'a coûté plus de... Du coup, là, j'ai eu le chiffre, hein, ça me coûte au total plus de 80 000 euros. Cet événement-là. Donc, vous vous doutez que je ne peux pas le faire tous les jours. Même là, on fait des OP pour rattraper. Il y a plein de trucs que j'ai pas fini de payer, que je ne pourrai pas finir de payer avant l'année prochaine. Donc, voilà. Tu montes toujours toi-même. Ça dépend. La moitié des vidéos, c'est Nimbus. La moitié des vidéos, c'est moi. Oh, et je suis Idan. Rôle complètement cheaté, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ou en diamant, Sharpness 5, ok. En posant un bloc, vous créerez une plateforme de redstone de 3x3 lorsque vous frappez un joueur avec la ou vous liez votre vie à celle du joueur frappé. Ah mais il bug ce rôle, non? Je crois qu'il bug, hein, me semble. En vous mettant sur la plateforme, le joueur lié à votre vie prend les dégâts à votre place et reçoit 20% de recul supplémentaire. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas bugué, ça? Vous permet d'annuler les dégâts que vous recevez pendant 20 secondes, néanmoins les coups ne sont pas annulés. D'accord. Oh, ça c'est bien ça. Oh, ça c'est fort ça. Et j'ai force 1 perma? Ok, c'est bien. C'est pas bugué? C'est plus bugué? Ok, nice. Oh, la petite ou sharpness 5 là. Pouah, ça régale. Ça régale de ouf ça. Lorsque vous frappez un joueur avec votre ou vous tapez... Ok, mais du coup ça veut dire, en gros là, si je tape n'importe quel joueur que je trouve, il est lié à moi ou faut d'abord que je pose ma plateforme avant de le taper à la ou? Comment ça se passe? Trop fort comme rôle, hein. Un peu ouais, j'ai l'impression. Ok, bon bah nice. Bah du coup, prédiction, bien joué à tous. Lizzie, tu peux valider la prédit si tu veux. C'est prédit Akatsuki du coup. Let's go. Ça, ça fait plaisir. J'ai pas de diamant par contre, hein. Mm-hmm. Ça fait combien de dégâts une ou sharpness 5? Y a pas les... Y a pas le... l'attaque damage. Je sais pas combien de dégâts ça fait une ou. Ça doit faire autant de dégâts qu'une pelle, hein, je pense, hein, en vrai. C'est pas ouf, hein. Pour être honnête, c'est pas ouf, hein. Ouais, c'est pas dingo, je pense, hein. De la merde, hein. Oui, 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 c'est de la merde, hein. On va pas se mentir, hein. C'est quoi le mieux, une ou sharpness 5 ou une épée en diam sharpness 2? Oh non, c'est une épée en diam, ça. Bah là, ou en diam, tu peux même pas... Enfin, c'est de la merde, hein. C'est pas ouf, hein. Enfin, c'est pas... Ouf. Ouf. Vous l'avez ou pas? Vous avez compris? XD. Stop ça. Bon, après, tu dis stop ça, S-A, bon. Hmm. Bon, je ne stoppe pas quand je vois qu'on écrit comme ça, hein. Nouvelle prédit pour rattraper. Au prochain Demon Slayer, on fera ça, ouais. Hop. Bon, par contre, du coup, c'est qui le... C'est X-Hator. Ok, et eh ben X-Hator, du coup, est mon mate dans cette game. Donc, il faudra que je le trouve. Et surtout, bah, on verra. Il faudra qu'on trouve nos autres mates à Katsuki pour avoir le reste de la liste. Et c'est trop bien, ça fait plaisir. Je crois que c'est un rôle que j'ai quasiment jamais été, donc c'est cool. Tu es bien sur Lunar, tout à fait, mon cher Xomaus. Bien sûr. Le LG de ce soir, est-ce qu'il y aura des gens du groupe? S'ils me demandent, ils peuvent venir avec grand plaisir. Il faut qu'ils me demandent à l'avance. Et pas à 21h30, comme ils ont l'habitude de le faire. N'est-ce pas? Genre, Bichard m'a demandé, par exemple. Tout à l'heure. Donc certainement, en tout cas, il le fera certainement. Enfin, c'est pas il m'a demandé, c'est il m'a dit que s'il y en avait un, il le ferait ce soir, donc voilà. En version 1.8, et moins tapé à la housse, ça équivaut à taper au point, donc GG, t'as un point sharpness 5. Putain, let's go. J'espère que Gil a un mauvais rôle. Ah, ça c'est Cookie, ça. Ça c'est Cookie qui met ça. Ça c'est Cookie qui a écrit ça, je pense, non? Qui aurait pu écrire ça? Laissez-moi deviner. Ah, c'est peut-être BabaTM. Non, vas-y, je vais mettre BabaTM. BabaTM, je dirais, vas-y, je mise BabaTM, le Inno cette fois-ci. Allez hop, je mise. T'es plus sponsor Razor. Non! Ça fait un petit moment d'ailleurs. Putain, mais à chaque fois qu'on est dans les montagnes, les gars, regardez le biome, à chaque fois qu'on est là, il n'y a pas de diamant. Je vous promets, hein, les gens disent que c'est une légende, moi je suis sûr que c'est pas une légende. Hein. Dans ce biome, il n'y a pas de diamant, mec. Hein. C'est pas une légende. Hein. Dans ce biome en 1.8, il y a moins de diamants que dans les autres biomes. Hein. Je jure que c'est vrai. Hein. Vraiment. C'est un truc de ouf. Donc bon. Salut, il y a mon pote dans le stream, Snace. Eh ben écoute, je lui passerai le bonjour si j'oublie pas. Je vais oublier. Des games pour les viewers ce soir que je m'occupe de Mumble. Toutes.
toutes les games aujourd'hui sont pour sont avec les subs. Donc du coup, occupe-toi de Mumble, ouais. Je suis chaud, ouais. Donc ouais. Allez hop. Bon allez, ça part. Petite question, tu as arrêté le Vault Hunter? Ouais, je fais une petite pause. En fait, j'ai un peu du mal à me motiver, Anas. J'ai un peu du mal à me motiver parce que c'est tout le temps la même chose. Et en vrai, ça me saoule de me dire que je dois encore faire des tonnes et des tonnes et des tonnes de vaults pour avoir un semblant de gameplay qui change. Et en fait, je sais plus exactement comment s'appelle ce type de jeu là. Genre le fait de faire des donjons en boucle tout le temps. Genre, c'est cool, mais je pense que c'est pas trop mon type de jeu de base. Et du coup, bah, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose en fait, c'est ça le problème. Petite pause, on te connaît, t'inquiète pas. Bah en fait, moi j'ai toujours dit un truc. Quand je commence un jeu ou une série ou quoi que ce soit, si ça me saoule, je me forcerai pas à le faire. Et là, actuellement, j'ai un petit souci de type, bah c'est très redondant en fait, hein, actuellement. Hein. Ouais, les hack and slash, les roguelites, oui c'est ça, ouais, plutôt les roguelites, ouais, c'est plus ça. Les roguelites, en fait, j'ai un problème parce que ça tourne très vite en rond, quoi. Je m'attendais à un modpack plutôt aventure que plutôt farming. Eh ben, moi, c'est pareil. Mais c'est ce que j'ai cru comprendre le premier soir. Quand j'ai commencé le modpack, j'étais en mode, putain, c'est trop cool. Il y a genre, c'est une aventure, le truc, t'as des quêtes, etc. En fait, les quêtes, c'est que de la merde, en fait. Les quêtes, ça se fait en une seconde. Et ça te débloque juste rien, quoi. Le fait d'aller faire des votes supplémentaires, donc en fait, c'est inintéressant. Donc voilà. Donc bon, bah c'est ça le problème, c'est qu'en fait je me dis là, le truc, le modpack il est cool, mais en fait qu'est-ce que je vais faire sur le modpack à part faire des vaults toutes les deux secondes. Donc j'ai du mal en fait à me forcer à faire quelque chose, et là pour le coup en ce moment j'ai vraiment pas envie d'y jouer. Là depuis le dernier stream où en fait je jouais tout seul en rond etc, et en fait je me dis que malheureusement là si je rejoue sur le serveur je vais dans tous les cas jouer tout seul, parce que tout le monde a trop d'avance sur le serveur. Parce que c'est ça, à chaque fois que je vais sur un serveur, vu que moi je suis quelqu'un qui a besoin de jouer 3h ou 4h par jour sur de la survie max par jour parce que sinon je me lasse, bah quand t'as un serveur où t'as des gens qui jouent tout le temps, tous les jours, etc, forcément bah... En fait c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, tous mes potes sur Minecraft aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas autant lassés de la survie que moi. C'est ça le souci. C'est que moi la survie ça fait 10 ans que j'en fais, j'en ai fait pendant 10 ans, et j'ai vraiment du mal à me motiver à en faire aujourd'hui de la survie. Genre vraiment c'est tout le temps la même chose, tout le temps pareil, même les modpacks etc. Et du coup ça fait que moi quand je joue sur un serveur survie, comme dit hein, c'est 2-3 heures par jour max. Sinon après ça me saoule très vite. Sauf que bah tous mes autres potes avec qui je joue, bah eux par contre ça joue beaucoup sur le serveur. Et du coup ça fait que je me retrouve très rapidement largué en termes de niveau. Enfin je veux dire je peux plus jouer avec eux parce qu'ils sont trop avancés par rapport à moi. Et du coup bah jouer tout seul sur un modpack, bah même problème que BetterMC, je m'ennuie très vite. Donc voilà. C'est laquelle la version de Mumble qui ne bug pas? 1.3.3, un truc comme ça. Enfin, il y a des 3 dedans. Je sais plus si c'est 1.3 ou quelque chose, ou 3.3.3, quelque chose comme ça. Mais je sais plus, en tout cas, c'est des 3. Il y a des 3. Le premier chiffre, il change pas, c'est le deuxième qui change. Le deuxième, ça doit être équipe 3. En gros, faut qu'il y ait des 3, pas des 4. Donc voilà, comme ça, au moins tu sais. Je suis retombé sur ta vidéo UHC avec le portal gueule et les 12 000 mobs, et j'avais oublié à quel point cette UHC était banger, vous devriez en refaire. Carrément, ouais. Carrément, ouais. Carrément. J'avais pas vu qu'il y a un mec qui a dit le premier qui tue guild 10€ PayPal. Hein. Je suis mort. Mais du coup, ouais. Du coup, ouais, on refera des UHC modés. J'aimerais bien en refaire, c'est une bonne idée ça. Ça se prépare un peu à l'avance. Hein. Je viens de voir la vidéo sur Earth UHC et j'ai adoré. Elle est franchement incroyable. Merci beaucoup. Flu. Merci. J'étais MP sur Insta pour te demander quelque chose, ce qui serait possible que tu check tes MP STP. C'est quoi ton pseudo sur Insta? Que je te réponde direct en stream. Parce qu'après je vais oublier, donc autant que je te réponde de suite. Ah bah c'est bon, je l'ai. Impossible. Non, impossible. On peut pas t'aider à développer ton mode de jeu. En tout cas pour l'instant c'est pas du tout notre priorité parce que bah, on a complètement un serveur à mettre en place donc, et puis on a déjà nos UHC à régler donc non on peut pas t'aider malheureusement sur ton mode de jeu, ça c'est pas possible. Puis le souci c'est que des développeurs, on peut t'en donner hein, des développeurs, mais c'est payant hein, forcément hein, les développeurs il faut qu'ils vivent quoi. Donc on peut pas t'aider comme ça à finir ton truc quoi, c'est ça le problème. On a déjà énormément de boulot de notre côté donc c'est compliqué quoi. Désolé mais c'est chaud hein. Je t'avoue. Durant quoi en premier, la vidéo Guild Games ou Cité des Nations? Cité des Nations. En premier. Après, je bosserai sur la vidéo des Guild Games. Et ensuite, je bosserai sur une grosse vidéo histoire sur un truc sur Minecraft. Que je voulais faire depuis très longtemps. Et que je vais enfin faire.
Et voilà, comme ça vous savez. Donc ça va être vraiment sympa. C'est pas grave, je vais essayer de me débrouiller. Bah en tout cas, quand il sera prêt, t'hésiteras pas à nous dire. Mais c'est vrai que nous, en termes de développement, on peut pas t'aider, non, c'est pas possible. Parce que déjà, on n'est pas 10 000 hein, dans notre équipe. Hein. On est genre 5-6 hein, déjà. Donc si on met une personne sur ça, on avancera encore moins vite. Enfin, encore... ouais, c'est ça, encore moins vite. Alors déjà qu'on avance pas et qu'on stagne un peu sur place, alors... malheureusement, c'est chaud, quoi. Donc bon, est-ce que tu peux faire une prédit diams pour que je rattrape mes 8k points perdus? Prochaine game, je vais pas faire 10 000 prédits non plus par partie. Prochaine partie, prochaine UHC à 19h, un Demon Slayer, il y aura une autre prédiction si tu veux, Kekabouf. Ça, tu pourras rattraper tes 8 000 points de chaîne si tu veux. Enfin, l'histoire de l'UHC après 3 ans d'attente. Ouais, ça va me demander un peu de temps, mais j'ai pas mal écrit déjà. J'ai pas mal écrit. Et Oh, c'est lui, mec. Je suis sûr que c'est lui. Attends, je suis sûr que c'est lui. Tu sais quoi, je vais lui demander, je suis sûr que c'est lui, le Hino. Mais du coup, ouais, j'ai beaucoup écrit déjà et la vidéo va être vraiment énorme, mais ça va être fou, quoi. Merci Fabulousuk, pardon. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont aimé la vidéo, bah maintenant on reprend. Demain, nouvelle vidéo. Jeudi, nouvelle vidéo ou vendredi. Allô? Tu m'entends? Allô? Moi, je t'entends pas. Je crois que ton micro est muté, mec, je crois. Parce que t'es pas muté sur Mumble, mais ton micro ne s'active pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon bah attends, je vais voir là hein. Allô mec. C'est le Naruto les gars, c'est le Naruto, j'ai le droit de le kill cave en plus, il est juste devant moi, c'est le Naruto, j'ai complètement le droit de le fumer. Faut juste que je me stuff avant, je vais rester avec lui. Allô? Allô? Bah tu m'entends? Oui. Bah ça va? Mais on m'entend là? Bah oui, on t'entend mec, ça y est. Mais putain, mais c'est toi qui fouilles mes grottes depuis tout à l'heure. Mais comment ça, c'est moi qui fouille tes grottes? Mais tu sais quoi mec, je suis sûr que t'es Hino frère, depuis tout à l'heure, les messages que je reçois, c'est toi. Mais c'est quoi Hino? C'est... Comment ça c'est quoi Hino? C'est ma première game. C'est vrai? Mais oui. Pardon. Bah Hino c'est un rôle qui peut écrire aux autres dans le chat. Ah, t'as jamais regardé de vidéo en Naruto UHC? Bah ça... Ouais mais je sais même plus. Mec si tu veux je te... J'en ai déjà vu mais... Mais tu sais que j'ai envie de crever, j'avais une pioche en diams, je l'ai jeté dans la lave comme un débile. Non mais le Hino en fait a mon stream ouvert en fait. Le Hino a mon stream ouvert là en fait. Il vient de me répondre, y'a que toi Gil qui voit mes messages. On est d'accord qu'il y a que... Non moi aussi j'ai vu. Vous avez ah tu l'as vu bon rôle. Coucou. Putain ça se trouve y'a que les gentils qui peuvent voir ces messages. Attends mais... T'es gentil toi? Bah je sais pas. Comment ça tu sais pas? Je voulais pas te dire. Bon, tu pourrais quand même. Ah, mais y'a un mec derrière, y'a Gougou. Salut Gougou, ça va? T'as une table d'enchante ou pas, mec? Ou tu veux emprunter la mienne? J'ai une table d'enchante. Bah, tiens, tiens. Mais hop. Donc, je t'explique le mode de jeu là? C'est même plus mon chant. Bah, en gros. J'ai un peu lu les règles, mais vas-y. En gros, là, vas-y, je vais t'expliquer simplement, ok? Là, à 40 minutes, il va y avoir des bijoux qui vont spawner au 0-0. Ah, oui, ça, c'est vrai. Le ça, but, ça, il va falloir sortir pour aller les chercher parce que quand t'en as un, t'es vraiment pas mal. Sauf si t'es un rôle comme Minato, Naruto ou Gaara, je crois. En tout cas, un rôle qui a déjà un bijou. Aussi, autre chose, okay. Si jamais tu es... Enfin, si jamais... Bon, je pense pas que ce soit le cas, mais en gros, le jour où tu seras Naruto, tu feras gaffe. Parce que à partir de 30 minutes, tu as potentiellement des gens qui peuvent venir te rusher pour te tuer. Ah, ça a pas changé, ça qui ont... Non, 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 les méchants ont toujours de tes coordonnées. Oh, le truc de merde. Là le Naruto ils ont enfin le Naruto il a ses coordonnées qui ont été envoyées à tous les méchants quoi. Là déjà voilà. Bah c'est à 30 minutes et 40 oui donc oui 30 et 40. Hop. Ok nickel. Hop bon. Et après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah sinon bah y a des c'est tout solo, beaucoup, non. Il y en a ouais des rôles solo ouais, il y en a quand même t'es des gens chaud, t'es tout. Si, par contre je t'entends pas trop bien, je vais augmenter ton son, attends bouge pas, réglage du... Si jamais t'es méchant tu vas me casser la gueule. Ah bah si j'étais méchant Y'a du kill cave. Je connais pas ton rôle frérot. Y'a du kill cave bah uniquement si les gens de l'Akatsuki qui reçoivent du coup les coordonnées du Naruto. Mm-hmm. Qui ont le droit de le tuer en cave, c'est tout. Mm-hmm. Et du coup en fait celui qui a Naruto il va mourir quoi. Bah pas forcément, si t'as du stuff tu meurs pas quoi. Enfin celui qui a Naruto il meurt pas quoi. D'accord. Mais surtout Naruto c'est vraiment un rôle qui est incroyable, tu as un V2 largement en cave, hein, je te le dis, c'est... Ah ouais?
C'est, oui, bah, la dernière fois que j'étais Naruto, je me suis fait rush par les deux Akatsuki, j'ai tué les deux. Donc franchement. Même pour des gens qui savent pas jouer, là. Bah ça dépend quoi. Ça dépend, oui. T'as un. Enfin, quand t'es Naruto, en gros, t'as un Bijou quoi. En gros. Ok. Qui te permet, en fait, quand tu l'actives, t'es complètement invincible, mais faut faire clic droit avec quoi. Ok. Et tu serais pas genre. Y'a pas un monde où tu serais Naruto parce que Gugu qui arrive, c'est bizarre quoi. Et Gugu. Par exemple, ça peut être bizarre éventuellement, par exemple. Après, je dis pas, mais ça peut être bizarre. Non, là. Quoi, je suis là en cave, j'entends parler du Naruto, moi je viens. Bah, je lui explique le mode de jeu parce qu'il connaît pas, c'est sa première game. Ah, ouais, je lui explique. J'ai trop peur, ce je sais pas, moi je vois deux pseudos à côté. Ouais. C'est à 30 minutes de jeu, je regarde quoi, j'observe, j'attends. Non mais je vais lui expliquer, mais viens, je vais te protéger, t'inquiète. Hein. Je vais te protéger, Baba, écoute. C'est vrai. Bah oui, c'est la première game, je vais te protéger. En plus, j'ai un magnifique skin de Funky Kong. Voilà. Mais oui, mais c'est pour ça justement que je vais protéger, j'ai vu ton skin, je vais forcément te protéger, mec. Bah, tu sais quoi, vraiment, je fais pas confiance à Gugu, il me fait peur. Non mais je peux pas le tuer comme ça, peu cher, c'est sa première game. En vrai, je vais le guider, ça fait trop de la peine de le tuer, peu cher. Non, ça me fait trop de la peine, c'est nul. Soutien au meilleur streamer Minecraft ever, j'aimerais participer au jeu, mais je suis trop nul. Mais c'est pas grave, mec, faut commencer en vrai. Il y aura que des UHC à roll sur ton serve, il y aura de tout. Merci Zenico, enfin de tout. Tu verras. Il y en aura peut-être. Ouais. Merci mon frérot. J'ai peur. Pourquoi tu passes devant moi? je mine dans la pioche là. Parce que tu me fais peur. Bon c'est bon, moi je vous laisse. Qu'est-ce que... Moi je sais plus, que mec. C'est pas vos rôles donc... Ah bah non hein. C'est juste que je voulais savoir. Ah non absolument pas, juste je vais lui expliquer et puis en vrai comme ça au moins on est tranquille. Mais non, je connais pas du tout son rôle, il connaît pas du tout le mien. Non, moi je croyais que vous étiez à Akatsuki, vous parlez du Naruto mais j'ai attendu un peu plus. Oui, exactement. Ouais. Écoute mec, si t'es d'accord, j'accepte de te guider sur cette game. Oh là là. Je sais pas si t'es safe ou t'es méchant. Je suis super gentil. Ah ouais? Ah oui. Ok. Vraiment, je suis. Bah, j'espère bien. Je suis un amour. Bah, écoute, moi je suis peut-être Naruto, hein, écoute. Hein. Ah ouais? je plaisante. Enfin, non, pas. Ça voudrait dire que tu pourras me protéger et tout. Ouais, bah écoute, moi j'aimerais bien que le Naruto me protège dans cette game là parce que franchement, vu le rôle que j'ai. Mais t'as vu toi Naruto ou pas? Bah, comment tu veux que je le vois? Non, mais l'animé. Ah oui, bien sûr, j'ai vu. Ok. Est-ce qu'il est ton perso préféré? Ah. En vrai. Attends, y'a. Bah, en vrai, les meilleurs persos, y'a quoi? Y'a Naruto, Pain, je trouve, Minato, Itachi. Ouais, je dirais Pain, pour changer. Ok. Du coup. Ok. Ouais, Shikamaru, mais Shikamaru, bon, c'est. Ah, oh, moi j'adore Shikamaru. Et Gain, et. Comment il s'appelle? Gaara. Ouais, je pense qu'il peut savoir que je suis méchant, mais en vrai je préfère qu'il sache que moi je suis méchant que lui je lui baisse sa game, pusher, il vient de commencer, il est Naruto, en plus moi j'ai mis longtemps avec ce rôle. Si jamais il y a quelqu'un qui nous croise tous les deux en cave, c'est suspect ou pas? Ah bah certainement, mais après écoute, au pire on s'en fout parce que je suis un amour. Hein? Parce que je suis super gentil. Oui, mais y a pas de problème hein. Et du coup, ah mais y a pas aussi de possibilité que Gugu là ce soit Ino? Non. Depuis tout à l'heure, non parce qu'il a pas il a pas nos coordonnées donc non. Ah, des diamants. Oh, let's go. Par contre je te le dis hein, on est censé sortir là mon gars. Ah ouais bah en vrai moi j'ai pas trop intérêt donc surtout ah bon vu la gueule de mon stuff. Ah ouais. Donc, franchement si tu veux sortir sors. Après, ouais. Je te promets pas qu'on se revoit dans la game, je pense que vraiment t'auras pris le temps de me protéger, mais y'a aucun souci. Mais si, pourquoi tu dis ça? Moi que tu sois Naruto et que tu te fasses rush en cave, mais c'est tout quoi. Non. Alors pourquoi tu dis ça? Putain, j'ai oublié mon enclume. T'inquiète, j'en ai deux. C'est moi qui ai récupéré la tienne, tiens. Merci, quelle bonté. Pourquoi tu dis ça du coup? Bah après je peux pas, je me dévoue. Bah non, y'a que le Naruto qui peut se faire. Qui peut mourir avant d'aller au centre, hein. Vraiment, c'est le seul. À moins que tu meurs dans la lave comme un con, hein. Et ça, c'est une autre histoire. Après, ça se peut arriver, t'as vu, j'ai une nouvelle souris, je l'aime pas. Non, je pense pas, hein. Je pense que. En vrai, tu veux que je sois honnête? Ouais. Je pense que c'est toi le Naruto. Depuis le début, ce que tu me dis, je pense que c'est toi. Vraiment pas. Depuis le début, vu les questions que tu me poses et le temps que tu prends, je pense que c'est toi. Mais. J'aurais pu le savoir en étant méchant. Certes. Mais du coup je ne le sais pas, c'est pour ça que j'aimais cette hypothèse. Certes, pourquoi je pense que c'est toi. Une épée en diam, c'est dans ton stuff alors que tu ne l'as pas fait? Bah, non, c'est... attends, mais dis pas que je me suis dé... Non, c'est pas un truc d'un rôle ou je sais pas quoi. Attends, je vais regarder mon rôle. Non, je t'en supplie, dis-moi que... Mmh, 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 mmh.
crois pas. Non, je crois pas. Oh, je t'en supplie, dis. Je crois pas. Non, il a pas des prix, non ? Si ? Non. Ah, ma cam, elle a recut, putain. Non. Attendez, je remets ma cam. Je suis un de ouf. Trop relou, quoi. Merci for Gakil pour les 27 mois. Putain, c'est ouf. Hein. Tu t'es cramé du coup ton rôle là, c'est incroyable. Ah, vraiment ? Bah oui, oui. Je suis un fils de pute. Et je le dirai pas aux autres si tu veux. C'est bien sympathique. Pas du tout, hein. Pas du tout. Après, t'inquiète, quand il y aura mon gros message de mort dans le chat, tout le monde va voir qui j'étais. Ça bah oui, mais non, mais. Bon, oui, là je vais te protéger, mec. J'ai pas spécialement envie de sortir maintenant, du coup, là. D'accord, je comprends. Enfin, je vais te protéger un peu, je pense, à mon avis. Parce que... Je fais croire qu'il fait c'est dévot Naruto alors que c'est pas le cas. Et quel autre rôle, genre, broken dans la game ? Quel autre rôle broken ? Bah, normalement, tu connais pas quelqu'un ? Tu connais quelqu'un, normalement. Ouais, d'accord. Non. Si, tu connais quelqu'un. T'es dit, tu t'es dévot ton rôle. Mais non. Si, tu connais quelqu'un dans la game. Mais je te jure que non. Ah bon? Ah, tu connais personne? Ah merde, non, c'est les gens qui te connaissent, pas toi, putain. Tout le monde me connaît, je suis... My bad. Je sais, la cam, elle s'est coupée, le chat, je sais, je la laisse se reposer, je sais. Ah si, non, désolé, que je me vénère. Les gens sont aigris. Remettre la cam, oui, mais elle se repose là, elle se repose parce qu'elle a surchauffé. Oh, ouais, c'est ma faute, je sais. Shit. Non, faut que tu laisses cam parce que sinon je le vais pas le voir. Donc non, faut que tu laisses Litchi, faut pas que tu les bloques les termes. Parce que sinon tout à l'heure si ça bug, je le verrai pas. Donc faut pas que tu les laisses, ouais. Bon ouais, du coup il y a des gens qui te connaissent dans la game donc ils vont venir te voir. Ouais, mais je sais pas si j'ai trop envie de les voir, hein. Bah non, mais si, non mais il y a des gens qui te connaissent mais qui sont safe quoi, en gros. Ok. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens là aussi qui te connaissent, enfin qui te connaissent pas, ils connaissent pas ton pseudo quoi, mais ils ont les coordonnées quoi. Nickel. Par exemple là ça leur mettra dans le chat, voici les coordonnées de Naruto 727 11-46 quoi, mm-hmm. En gros. Ça leur mettra ça. Mm-hmm. Mais c'est tout. D'accord. D'accord. Attends. Mm-hmm. Faut que j'enchante ça là. Oh coucou de mort, hein, faut que je sorte. Sinon ça va toi? Qu'est-ce que tu fais frère? Ça va vraiment pas. Hein? Ça va pas du tout dans ma vie là. Pourquoi? Arrête ça tout de suite. Non. Je veux pas. Arrête, je vais faire un truc longueur sur le harcèlement. Non. Depuis le début, je me fous de ta gueule. Je veux pas. Non. Mais je compte pas te tuer, mec. On s'en fout. C'est pour rigoler. Je compte pas te tuer. Non. Je veux pas te gâcher ta game. Au pire, avec un peu de chance. Non, mais je te promets, je te tue pas. Je veux pas te gâcher ta game. Je te promets que je te tue pas. Au pire, avec un peu de chance, je jouerai le LG ce soir et ça sera mieux. Sache que j'aurais pu te tuer dès le début. Je l'ai pas fait. Oui, donc, je vais pas te tuer. Je vais pas te ruiner ta game, je sais que c'est toi mais je vais pas te tuer, enfin, je veux dire c'est ta première et puis même en fait ça va juste ruiner la game de tout le monde donc, mais je m'as tué, pourquoi j'ai eu ce rôle de merde? Mais c'est fou parce que t'aurais pu taper ta commande dès le début et là je suis un... Depuis tout à l'heure je me fous de ta game, c'est trop drôle. C'est que j'ai compris en fait. Depuis le début je me moque de toi. Nouvelle vidéo, le Naruto a début. Mais au moins t'as bien fait rire tout le monde, sache-le. Nickel. En plus tu me posais des questions bien ciblées, j'étais en mode putain les questions elles sont vraiment bien ciblées quand même, tu vois genre. Ah tu me fumes mec, t'es trop drôle. Non t'inquiète mec, y'a aucun problème, vraiment t'inquiète pas mec. Y'a aucun problème, je vais me faire fumer en 2-2 mais y'a aucun problème. Non je t'ai dit je te protégeais. Mais tu vas pas me protéger. Si j'ai dit je te protège mec. Mais mec c'est pas réglo. Si je te jure c'est pas réglo. Oh, y'a de l'or là mec, regarde je cheat. Oh X-ray. C'est pas très vraiment. Réglo ça toujours hein. Bah attends, oui. je vais en profiter. Ah, Ilichi vient de te donner une game 100k, voilà. Je te le dis dans le chat. À qui? Bah toi. À moi, pourquoi? Bah je sais pas, elle a mis ton nom là. Bah TM elle a mis. Mais c'est ma game 100k, je crois que je suis en train d'utiliser. Bah justement, t'en auras une autre du coup, de ton choix. Ah, bah le LG de ce soir, let's go. Voilà. Let's du coup, nickel. Bon bah du coup, finalement, je vais pouvoir passer aux choses sérieuses alors. J'accepte mon sort. J'accepte mon sort, vraiment. J'accepte mon sort. Oh
Oh, ça me... Ça veut dire... Ça, ouais. Ah non, tu feras le... Là, regarde, Litchi a dit tu feras le LG de ce soir. Oh, mais attends. Bah, attends. J'accepte. Ah, bah, c'est bon. Bah, non, mais c'est bon. Attends, tiens. C'est bon. C'est bon, l'échange valait le coup, c'est bon, tiens, c'est bon. Merci, l'échange valait le coup. Ah, y'a pas de diamant en plus, là? Je suis ta salope jusqu'au bout, vraiment. Bah, mec... J'ai une gap. Ah, merci, mec, c'est vraiment... Ça... T'as pas des trucs en plus, là, juste comme ça, pour savoir? J'ai rien. C'est déjà... Je sais pas pour qui, mec. C'est quoi cette game? Mec, qu'est-ce qu'on truc? Je te jure que ce soir, si je suis un rôle méchant et que t'as un rôle gentil... Bah je vais rien faire, mais fais gaffe à toi. Hein. Tu me fais trop rire. Oh putain, c'est bon, j'ai remis la cam. Tu me fais trop rire, mec. T'es en mode malveillance max, là, mais laisse-moi. Mais quoi, mec? Je me fais bouillir. Mais oui. Oh. Ah. Non. Ça se tient, moi. Non mais je suis en train de rater tous les bijoux en plus, putain, quel game nul. Je suis en train de tout rater là. Tout ça à cause de moi, voilà. T'es abusé, hein. Comme dans ma famille, je suis le mec qui casse les couilles. Super. Mais non. Mec, franchement... J'aurais pu te sauver ta soirée finalement là. Franchement, est-ce que... Mais du coup t'as activé ton truc là, du coup. Mon truc. Ouais, t'es activé, je vois que t'es à speed 2 là. T'es activé là. Non. Si, parce que t'es obligé de l'activer pour pouvoir activer la commande. La flip est totale. Laisse-moi tranquille. Ah. Franchement, je préfère me faire tuer par un mec de la Katsuki que par toi. Ah, mais t'es peut-être un mec de la... Ben oui, puisque j'ai les coordonnées dans le chat. Donc... pas compris. Peu importe où je vais, en fait, je vais faire plus. Putain, plus jamais je fais de game sans connaître le mode de jeu, plus jamais. Déjà, oui, l'autre jour j'ai fait le premier RSUHC là, je me suis fait bouler de ouf. Tu veux que je te dise que je te donne quelque chose un beau conseil? Ouais. La prochaine fois que t'as ce rôle, fais-toi du stuff avant 30 minutes. Parce que quand t'étais à côté de moi, à poil, et que mon chat te dit regarde le chat, et que je vois que tes coordonnées qui apparaissent, bah c'est littéralement mes coordonnées, je me suis dit... Après, j'ai voulu me faire du stuff, tu vois, mais sauf que quand toutes les caves que je vois, y'a rien... Mm-hmm. Ouais, je comprends, mec. Enfin, c'est quoi ça, juste? Putain, je sais pas, c'est quoi, ça fait quoi? T'as fait un truc sur moi, là? Non, j'ai rien fait, attends. Qu'est-ce que t'as fait? Ah. T'as failli me tuer, là? Non, vraiment. Je crois que t'as failli me tuer, là, frérot. Arrête, j'ai 2 coeurs et demi. Bah oui, mais attends, mais qui m'a mis 5 coeurs, là? Rembourse-moi ça, là. C'est pas moi, mec, je te jure, j'ai rien. Tu oublies que t'es pas en position de force, là, je crois. J'ai un d'or, c'est tout, mec, je te jure. Tu oublies que t'es pas en position de force, là, je crois. Laisse-moi, y'a des bijoux dehors, va les chercher. Ah, c'est vrai, mais c'est toi, mon bijou, mec. Viens, là. Oh, putain, c'est beau, ça. C'est vrai. Mais mec, tu préfères que ça soit moi qui te tue ou que ce soit Madara Obito qui te tue pour récupérer ton bijou? Mais il a mes coups, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui! Non! La vie est si injuste. Attends, je veux juste savoir ça fait quoi ça, s'il te plaît. Vas-y, attends. Attends, tu me permets ça? Non. Ah oui, bon, ça oui, je te permets. Ouais. Ouais? Ah, j'ai 15 cœurs là, mais j'ai 3 cœurs en fait. Comment ça, t'as 3 cœurs? Non! Mais laisse-moi tranquille. C'est la pire journée de ma vie. Putain, mais je l'entends arriver en plus. J'ai plus de blocs! Non. Reviens là! Non mais je veux pas, je suis pas intéressé. Tiens, c'est quoi? Tiens, je te rends ta gapole au moins, c'est quoi? Mais non. Mais si, je te la rends, tu m'as donné ta gapole. T'as 3 coeurs, tu vas aller au 0-0, tu vas te faire buter. Tiens, je te rends au moins ça. Tiens. Ah ouais. Merci. Oh, mais quel bâtard. Il m'aura trop fait rire. Mais j'étais obligé.
obligé de les tuer. Il allait tout rapporter au 0-0. En plus, quelqu'un m'a vu déjà, donc je suis déjà mort. Quelqu'un nous a vu là, il y a. Comment il s'appelle hein? Biddy Boy nous a vu. Oh putain. Eh, tu m'as. Franchement, tu m'as trop fait rire, mec. Franchement, tu m'as trop fait rire. T'es trop drôle. Ah, je t'adore. T'es cramé. Mais bien sûr que je suis cramé à 100%. Eh oui, quelqu'un m'a déjà vu de toute façon. Quelqu'un m'a vu à côté. Bien sûr que je suis cramé. Mais franchement, ça valait carrément le coup. Hein. C'était vraiment pas très gentil. Tu m'as trop fait marrer, putain. T'étais trop drôle. Merci, ça chatouille. T'es cramé, oui, 100%, mais bon, c'est pas grave. Ça valait, franchement, ça valait largement le coup. Hein. C'était rigolo. Oui, 100% au moins. 100% cramé, je pense. Hein. Mais bon. Franchement, ça valait le coup de ouf, je pense. Hein. Je vous le dis, c'était worth it. Vous venez de récupérer Kurama. Bah, c'est cool. Hop. Ah, super. Je me suis grave marré aussi. Hein. Mec, la prochaine fois que t'as ce rôle, fais-toi du stuff. Hein. En fait, le truc, c'est que je voulais pas te tuer. Mais vu que tu m'as sniff après, bah, le souci, c'est que je suis obligé. Entre guillemets, on va dire. Mais c'est trop drôle. C'était trop drôle. Franchement, mec, je te jure, regarde. Je te jure, t'es à côté de moi. Et il y a quoi dans mon chat qui apparaît? Voici les coordonnées de Naruto. Et il y a genre... C'est vraiment, littéralement, tes coordonnées, là. C'était trop drôle. Oh, putain. Pourquoi tu gardes pas Kurama? Je vais le garder. De toute façon, je peux pas l'utiliser, mais je vais le garder. Oh là 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 là. Ça fait un an et demi que je t'ai pas suivi. J'ai raté beaucoup de choses. Bah, t'as raté une LAN Minecraft hein, qu'on a fait. Et sinon, qu'est-ce que t'as raté d'autre particulièrement? Pas grand-chose d'autre, hein. Est-ce que je sors à poil comme ça, en vrai? Ouais, je pense, hein. Je pense qu'on va faire ça, hein, à mon avis, hein. Je pense qu'on va faire ça, hein. Hop. Me manque un petit prot, là, quelque part. Hein. Ah ben non, il me faut encore un tout petit peu d'XP, histoire de sortir. Hein. Enfin, un tout petit peu de... Ouais, d'XP. Bon, j'aurai rien, mais c'est pas grave. C'est quand la réunion du Negato, là? Y'a pas une réunion, normalement? Mais au moins, franchement, j'aurais bien rigolé, peu importe la game, et ça... Franchement... J'aurais vraiment bien rigolé, et c'est le principal. Quand on joue des games, finalement, c'est pour rigoler. Bah voilà. Là, ça valait le coup. Ça sert à quoi de garder Kurama? Bah ça sert que Madara et Obito, ils vont venir devoir me chercher moi. Bah c'est du coup l'allié, elle va devoir me chercher moi pour récupérer Madara. Et du coup, ça veut dire que j'aurai de l'action sur moi, de ma game. Plus on rit, plus on meurt, vieux. Mais mec, tu m'as trop fait rigoler. C'était trop drôle. Tu sais que la game est réussie juste grâce à toi, là, déjà. Mais je te jure, au début... Il y a eu... Tout le monde m'a dit tue-le. Et après quand t'as expliqué que c'était ta première et que tu savais pas et tout, et tout le monde a dit non, prends-le sous ton aile. Moi je voulais vraiment tout expliquer. Par contre je pense que le mec qui est venu en cave là, c'est peut-être un de mes mates hein, à mon avis. Hein. Alors Biddy Boy est peut-être un de mes mates et l'autre je sais plus qui c'est, c'était Gougou je crois. Lui il est peut-être un mate aussi. Hein. C'est un honneur. Hein. T'es trop drôle mec, je t'adore. C'est toujours à moitié bug, je crois pas non. Ah, oh, ton plastron chef. Hein. Ah oui, bien vu. J'ai à peu près quand j'ai arrêté quand il y avait le LG calendrier. Alors, qu'est-ce que t'as raté, Kokoyov? Qu'est-ce que t'as raté? Bah, t'as raté. Ouais, on a fait une LAN Minecraft cette année, un peu similaire à la Zilan, on va dire, mais entièrement sur Minecraft. Il y a eu la Cité des Nations 2 cette année aussi. Et puis voilà, rien d'aussi ouf que ça à part ça. Sinon, on a créé des petites choses. On va ouvrir un serveur Minecraft là. Sinon sur Minecraft c'est à peu près tout, on a fait plein d'événements, plein de cités, plein de trucs comme ça, on a fait plein de trucs, voilà, 40 cités à peu près effectivement. C'est tout hein, après on n'a pas fait 10 000 choses à part ça, hein. En vrai on a fait plein d'événements sur Minecraft, plein de streams, plein d'autres jeux aussi à part Minecraft, et puis essentiellement c'est tout quoi. Enfin je pense que faire une LAN c'est déjà pas mal, hein, parce que c'était un projet qui a pris un an et demi de préparation, donc je pense que c'est pas mal. Donc voilà. Ah j'ai gagné la Zilan aussi cette année, effectivement ouais. Tout à fait, ça c'est un truc aussi cette année, j'ai gagné la Zilan. J'ai gagné la Zilan en partant de la fin bien sûr. Faites toujours des game group UHC, j'aimais beaucoup les suivre. Alors le groupe qu'il y avait à l'époque a disparu, parce que du coup bah, la plupart ont arrêté, vu qu'il n'y avait pas de gros streamers, enfin il n'y avait pas de streamers à l'époque hein, on va dire dans ce groupe. Mais là, il y a peut-être moyen que pas ça revienne mais... Enfin tu verras, je veux pas spoiler mais... On a commencé à travailler sur une certaine saison 10 d'un certain UHC. Peut-être qu'on aura des anciens. Peut-être. Elles sont encore la vidéo de la Cité des Nations. Eh ben, dans pas si longtemps que ça. Je pense dans les 10-15 prochains jours max. Peut-être semaine prochaine. J'aimerais bien. Mais à chaque fois, je dis ça et à chaque fois, je suis obligé de la repousser parce que j'ai moins le temps. Parce que j'ai 10 000 trucs à faire à côté. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Donc, on verra. Donc voilà. Je répondrai pas à ta question, Venox.
Parce que voilà, il y a beaucoup de trucs qui sont vrais, mais j'ai pas envie de rentrer dedans. Parce que j'ai envie qu'on me laisse tranquille et que sinon je vais encore recevoir des MP. Et j'ai pas envie qu'on me casse les couilles encore en DM, tu vois. Parce que sache un truc, c'est que à chaque fois que dans cette communauté quelqu'un a un problème, c'est sur moi que ça retombe, systématiquement. Donc voilà, c'est systématiquement sur moi que ça retombe, tout le temps. Donc voilà. Et non, jamais de la vie à ce coup de la baga, donc non. Elle est cramptée, oui, toujours la même blague depuis un an et demi, bien sûr, hein. UHC World, à peu près combien de temps? Quand ça sera prêt? Pas de date, on donnera pas de date sur le serveur. Parce que serveur Minecraft, ça prend beaucoup plus de temps que ce que vous imaginez, donc non. Donc voilà. Tu connais Cutini? De nom, oui. Parce qu'elle faisait beaucoup les GameSub il y a un an et demi. Donc, ouais. De nom, ouais. T'as assez d'XP pour le bouquin protection. Ouais, mais j'aimerais bien avoir un petit peu d'or aussi. C'est ça que j'aimerais bien avoir, un petit peu d'or. Et si jamais je peux avoir mon petit casque en diamant, parce que je pense que là, à mon avis, ça va être chaud. Hein. Je pense que, à mon avis, là, je vais pas vous mentir, ça va être ouche d'aller au 0-0 pour moi. Je pense que clairement, cette game, va falloir partir du principe que je vais pas aller au centre hein, de la game. Alors. Hop, il me manque un tout petit peu d'XP maintenant. Bon, au pire, on reste deux pièces, hein. Je récupérerai la troisième pièce sur quelqu'un, mais bon. Il me faudrait vraiment que j'ai ma troisième pièce pour protection, au moins. Ça serait pas mal. Donc, ouais. Merci Vinska pour le Prime. Merci beaucoup, mon ami. Ça fait plaisir. Il reste quoi à faire pour le serveur? Plein de choses, vous verrez. Il reste des trucs à faire, notamment tester les UHC, toute la partie technique, plein de choses à faire. Plein de trucs à faire. Et puis vu que c'est pas notre métier principal, enfin je veux dire, la plupart des gens qui travaillent sur le serveur, bah ils ont un CDI à côté, ils ont un travail, ils ont des études, machin. C'est un taf secondaire, on va dire, bah forcément on peut pas s'y mettre à 200%, donc ça avance. Voilà, mais on espère. Tu seras invité pour le GP Explorer 3? Non. Non mais de toute façon je ne pourrais pas le faire parce que je n'ai pas le permis. Donc même si c'était le cas, je ne pourrais pas. Et franchement, passer le permis là... En fait, moi j'ai peur de conduire, donc voilà. Moi comme ça, j'ai peur des gens sur la route. Clairement. J'ai peur des gens sur la route, j'ai peur de devoir apprendre à conduire, donc ouais. À quoi ça sert le permis quand on a tout à proximité? Bah, le permis, ça me sera surtout utile plus tard, quand je voudrais certainement moins habiter en grande ville. C'est vrai que là maintenant je fais tout à pied donc puis même je sais pas j'ai peur des gens sur la route, j'ai peur, je me dis c'est ça fait tellement, enfin c'est même pas ça fait tant flipper, c'est quand je vois le nombre d'accidents qu'il y a sur la route, quand je vois tous les problèmes qu'il y a eu. Mon père il a été garagiste pendant très longtemps, enfin pendant depuis qu'il était tout jeune il a bossé là-dedans, et quand tu vois il a justement été aussi à un moment donné, il travaillait avec des dépanneuses etc, enfin des dépanneurs tout ça quoi. Quand tu vois les accidents qu'il y a, quand tu vois la gueule des accidents, ça te donne pas envie d'apprendre à conduire hein, je peux te le dire. Mais vraiment, ça te donne pas du tout envie. Et en fait, en gros, moi, pour le permis, en fait, j'attendrai d'être prêt, en fait. C'est-à-dire, quand je serai prêt un jour, je le passerai, et puis voilà, c'est tout, quoi. Il faut un déclic, hein. J'ai pas envie qu'on me force à le passer. Je le passerai quand je suis prêt, c'est tout. Ouais, quand tu casses le granit, ça te donne de la stone. Ouais, c'est spécialement dans les UHC pour éviter qu'on ait 10 000 de types de pierres différentes qui ne servent absolument à rien. Comme ça, vous savez. Merci Storus, j'avais pas vu que j'étais plus sub, tant content de sub, et resub tout le temps. Hâte de faire ma première game sub, bientôt les 1 an. Merci frérot. Le mode rentable est-il prévu pour le Nakime Party? Car je trouve que c'est la seule solution pour que le mode de jeu soit intéressant. Peut-être. Peut-être pas, on verra. Je répondrai pas trop à ce genre de questions parce que ça va juste spoiler ce qu'il y aura sur le serveur. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, tu verras. Il y a des situations où t'es obligé d'avoir le permis. Ouais, bah justement, moi j'ai toujours cherché à faire en sorte que ça soit pas le cas. Comme ça au moins... Avoir une conduite accompagnée sur le cul, c'est se faire klaxonner 3 fois plus aussi. Ouais, et puis les gens sont infâmes sur la route, hein. Les gens sur la route sont tous des connards, hein. c'est un truc. Hein. T'as pas le droit d'apprendre, hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc voilà. En vrai, c'est facile de conduire, c'est juste le code qui est dur. Oui, non, mais je suis d'accord que apprendre à conduire c'est facile. Mais moi, c'est pas ça qui me fait peur, c'est conduire dans une grande ville. Et c'est pas ça le souci, c'est pas à conduire le problème. Si je conduisais tout seul sur la route, aucun problème. Mais c'est. En fait, s'il y a un mec à un moment donné qui est complètement ouf, hein, fou. Qui fait de la merde en voiture et qui te rentre dedans par exemple, bah t'as rien demandé mais tu te fais avoir en fait, en gros. Le problème c'est les autres en fait, moi c'est ça qui me fait peur, c'est pas conduire moi, le problème c'est conduire avec les autres. Et sauf qu'à Montpellier, vous vous doutez que si je conduis, il y aura beaucoup de monde, dans tous les cas. Pourquoi tu sors pas? J'ai pas assez d'or ou de diamants.
Je vais sortir bientôt. Mais en fait, j'attends qu'il y ait la réunion de la Katsuki, mais je sais pas quand est-ce qu'elle est faite. Merci Tassasux pour les 6 mois de sub d'avance. Ça fait plaisir. Puis il faut acheter une voiture, et puis c'est comme de l'entretien, puis c'est un prix, puis machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment hyper prise de tête. Et actuellement, j'ai pas envie de me prendre la tête tout de suite avec ça. Plus tard, oui, ça c'est sûr, mais actuellement, maintenant, non. Donc, voilà. Et puis, même si vous me dites tous, tout le monde a cette peur, mais ça passe très vite. Ouais, je m'en doute, hein. Mais honnêtement, enfin, en gros, j'aurai un déclic un jour, je me dirai, c'est le moment. Là, pour l'instant, je l'ai pas. Bah, c'est le code, pourquoi pas. Par contre, après, conduire directement, ça... Est-ce que tu vas jouer en DSV5 de Hornet? Non. Non, non, ça m'intéresse pas. Donc, voilà. Non, non, ça m'intéresse pas pour l'instant, en tout cas. Une heure de jeu, la réunion? Ok, donc ça va être fait très bientôt. Ça sert à rien de passer le code si tu passes pas le permis après. Bah, c'est comme la première étape, quoi, hein, on va dire. Une fois que tu connais le code, c'est bon, quoi. Je veux dire, je pense que, de toute façon, dans les 5 prochaines années, je serai obligé de le percer, mon permis, ça c'est sûr, tu vois. C'est bon, dans 5 ans, j'ai 30 ans, hein, donc je serai obligé de le passer, hein, ça c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Oh! Putain, les rôles de ouf qui meurent, là, c'est plaisant pour nous, j'avoue. Merci. Mon code a expiré. Ah ouais, c'est vrai. Non, en fait... Je suis mort. Le code, ça se périme si t'as pas le permis. Bah, c'est pas genre plusieurs années, je crois, quand même. Enfin, je crois que j'ai le temps encore. Hein. Si je le passe maintenant, je crois que j'ai encore un peu le time hein, pour le passer. Hein. Ouais, voilà, si c'est 5 ans, enfin, dans les 5 prochaines années, je suis obligé de le passer. Donc, bon, dans tous les cas... Pff. Peut-être passer le code, why not? Après, passer le permis directement, je sais pas, on verra. Après, comme dit, hein, faut vraiment que j'ai juste le déclic, une fois que je l'aurai, je le passerai. Mais ouais, actuellement, j'ai du mal à voir l'utilité, quoi. Parce que même si je passe le permis, je vais pas pratiquer, en fait, donc je vais rapidement oublier. C'est ça le problème. Moi, si je pratique pas souvent, j'oublie. Là, actuellement, je vais pas pratiquer, en fait. Là, ça, je ne vais pas conduire, ça ne sert à rien, je ne vais jamais sortir ma voiture. Dès que j'ai besoin de sortir quelque part, je fais tout à pied. Ou tout avec les transports en commun, avec le tram, tout, en fait. Je ne fais jamais rien, on sort jamais en voiture, quoi. Donc voilà hein. Pas forcément la conduite ça se retient bien. Bah pour apprendre moi j'aurais avoir besoin de pratiquer pas mal je pense hein. J'ai jamais touché une voiture de ma vie, jamais touché un volant de ma vie. Enfin tu vois genre j'ai besoin de pratiquer pas mal tu vois pour... Et à mon avis pareil si je prends... Moi je sais que en tout cas dans tout, si je pratique pas souvent j'oublie après. Donc voilà. T'habites en Ile-de-France? Non j'habite à Montpellier. J'habite à Montpellier et en vrai Montpellier t'as pas besoin de voiture hein. Pour te déplacer dans la ville tu peux tout faire à pied hein, vraiment. En tout cas Montpellier centre tu peux tout faire même sur les côtés hein, tu peux tout faire quoi. De partout tu peux tout faire à pied. Est-ce que tu vas faire des AOT UHC? On en a fait un hier. Puis ouais on en refera mais attendez hein, un peu hein. On va attendre un petit peu. Bon je dis ça mais on en refera peut-être cette semaine on verra. Donc ouais. Je t'ai croisé à Odyssum dans l'été ouais. Je vais souvent à Odyssum, bon, pas tout le temps parce que c'est pas à côté quand même. Mais on y va souvent parce que c'est l'endroit que j'aime le plus à Montpellier, on va dire. Qui est quand même assez, assez chill. C'est sympa en vrai. Tu joues à Mario Kart donc tranquille. Mais mec, moi tu vas me donner le permis de conduire, je vais croire qu'il va falloir faire des dérapages hein, sur la route. Hein. Je vais sauter, je vais faire comme ça là, tu vois. Jusqu'à avoir le petit mini turbo qui sort. Je vais faire déraper la voiture dans les ronds-points pour avoir le mini turbo violet. Hein. C'est comme ça qui va se passer. Hein. Donc faites gaffe. Hein. Tu fais quoi en cave? Je suis en train de miner, j'ai pas fini mon stuff. Hein. Parce qu'en fait, j'ai joué avec le Naruto tout à l'heure là. J'ai fait joujou avec le Naruto. C'est quoi Odyssum? C'est une zone de Montpellier. C'est un quartier de Montpellier. Enfin, c'est pas un quartier, mais c'est une sorte, un grand centre commercial en gros. Et pas que. Qui est vraiment sympa. Donc voilà. Merci JML aussi. Merci Tazatux tout à l'heure. Félicitations pour tous les événements que tu as fait et le contenu que tu proposes. Eh ben je te remercie. Bon je pense qu'on va sortir et puis fuck les diamants nécessaires hein, à mon avis. Ouah ils sont en train de faire un carnage là hein, mes potes hein. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire mais... Enfin, je sais pas si c'est mes potes ou pas mais en tout cas nous on s'en sort très très bien. Pour l'instant tout le monde est en train de crever sauf nous. Pourquoi le centre commercial a un nom de jeu Pokémon? Comment ça? Odysseum? Ça passe pas un nom de... Jeu Pokémon, ça si? J'ai pas compris en fait. Odysseum, ça fait jeu Pokémon, je trouve. Bah, en fait, ça fait surtout Odyssée, et je pense que c'est ça qu'ils voulaient faire, quoi. C'était... Ça fait un nom un peu. Ah oui, c'était Colosseum, ouais, ça ressemble à Colosseum, ouais, mais non, mais c'est pas ça, ouais. Une heure de jeu, t'es encore en cave, wesh. Mais c'est normal, mec, j'ai joué pendant une demi-heure avec le Naruto, là, en cave. J'avais ses coordonnées, il était à côté de moi, donc pendant 25 minutes, je suis resté à côté de lui et je faisais n'importe quoi. J'ai perdu tout, j'avais rien, mec, j'avais une pièce à 45 minutes de jeu, là. Donc bon. Tu sais conduire, c'est pas une obligation. Parfois, c'est mieux transport en commun. Et si tu te sens
Vraiment pas prêt, tu as raison, parce que allez, quand tu n'es pas prêt, c'est toujours dangereux, je te comprends, il m'a fallu 2 ans avant que je me décide à passer mon permis. Ouais, bah voilà, c'est ça, tu vois. Moi, je veux juste avoir un moment où je me dis, ok, là j'en ai vraiment besoin, ou alors, ok, là je me sens de le passer maintenant et ça sera bon, quoi. Mais en fait, depuis que j'ai la majorité, même avant, j'ai jamais vraiment eu besoin, en fait, de passer le permis, quoi, on va dire. C'est ça le truc. Quand j'étais en fait, la seule fois où ça m'aurait servi, c'était pour le bac, ma première année après le bac. Parce que j'avais les cours qui étaient très loin, et donc c'était vraiment la merde pour y aller. Sauf que, en fait, une fois que j'étais en études, en fait, supérieure, je n'avais plus le temps de le passer, parce qu'en fait, tous les jours, je commençais à 8h, je terminais à 18h30. Sauf que du coup, ça voulait dire que vu que j'habitais très loin de l'endroit et que on n'avait pas les moyens de me prendre un appart ou quoi que ce soit, je me tapais 1h30 de trajet par jour. Donc du coup, je devais partir tous les matins à 6h30. Pour rentrer tous les soirs à minimum 20h, 21h. Donc je n'avais pas du tout le temps de passer mon permis. Mais c'est la seule année où réellement ça m'a. Où réellement j'aurais eu besoin de la voiture, quoi. Donc c'est tout. Après le reste, j'étais tout le temps à côté des cours. Pareil, j'avais pas le temps non plus. Vu qu'après j'avais déménagé. Enfin voilà. Hein. Donc voilà. 8h, 18h30, c'est ce que font les lycéens aujourd'hui. Bah oui, c'est 2 heures à peu près normales, sauf que vous aviez pas cours le samedi matin ni le mercredi après-midi, je pense. À mon avis, au lycée, non? À mon avis, c'est ça. Moi, c'était 8h, 18h30, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin. C'était ça tous les jours. Hein. Après, je pense que ceux qui ont cours le samedi matin, vous finissez pas à 18h30, hein, je pense. Hein. À mon avis... Quand j'étais au lycée, j'avais 41 heures d'heures de cours par semaine en terminale. Et je faisais 8h, 17h tous les jours, plus une demi-heure pour manger le midi, quoi. Une demi-heure, une heure grand max parfois. Et j'avais cours le mercredi et le samedi matin. Donc c'est tout, quoi, tu vois. C'est quand même abusé comme horaire. Ah, mais bien sûr, ça reste abusé. Mais oui, entre guillemets, c'est des horaires qui m'étonnent pas vraiment, entre guillemets, quand vous dites ça. Mais oui, les horaires à l'école sont abusés, quoi. En vrai, qu'est-ce que vous préférez ? Garder ces horaires-là et avoir des vacances toutes les 6 semaines, ou réduire la durée des vacances et avoir beaucoup moins d'heures par semaine. Et du coup pouvoir étaler ça, entre guillemets, sur toute l'année. Parce qu'en Espagne, c'est ce qu'ils ont, eux. Hein. En Espagne, ils ont beaucoup moins de vacances, par exemple, mais ils ont des créneaux, par exemple, qu'ils ont... Enfin, je sais en tout cas que à l'école où était mon cousin, puisqu'il n'y est plus là depuis maintenant, mais en gros, à l'école où il était, c'était tous les matins, c'était cours, et l'après-midi, c'était sport tous les après-midi. Pas de vacances, mais... Voilà, pas de vacances, jamais, sauf l'été. Par contre, cours que le matin, et l'après-midi, c'était sport tout le temps. Activité sportive obligatoire à côté. Et voilà. Moins de vacances, je pense, moins d'heures par semaine. Hein. Moi, je trouve que c'est épuisant, les cours. Hein. Honnêtement, moi, je me souviens, mes études sup... Hein. Oh, il t'a chié mort. Mes études supérieures, enfin, ma dernière année d'études supérieures, vraiment, c'était la mort. Hein. Je dormais 2h30 par nuit, quoi. Hein? Qu'est-ce que tu fais, là? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qui c'est qui m'a tapé, frère? C'est toi qui m'as tapé? Non, je crois que c'est SafeMiner, t'avais plus pendant 2 secondes. Hein? C'était SafeMiner, tu l'as plus, mais je suis en spec, mais tu fais quoi dans Cave? Mais j'ai joué avec le Naruto. En fait, le Naruto à 30 minutes, il était à mes coordonnées. Donc en fait, j'ai eu les coordonnées du Naruto, son tatatata. Et bah, il était à côté de moi, genre c'était mes collas. Donc en gros, pendant 15 minutes, 20 minutes, je suis resté avec lui en lui disant, les gars, je vais t'expliquer comment on joue la game et tout. Puis après, petit à petit, tu sais, je lui donnais des indices comme quoi j'avais ses coordonnées. Et à un moment donné, il a fait NSML et il s'est rendu compte de la dinguerie. Sauf que c'était il y a 15 minutes, quoi. Ah, c'est quoi ce bordel? Ah, salut, ça va? Allô? Ah, bah c'est un peu dommage que du coup tu m'as entendu, mais bon, tant pis. Salut? Bah toi aussi, qu'est-ce que tu fais en cave du coup, frérot? Allô, ton micro, on t'entend pas, frérot? On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, littéralement. En prof, vous êtes deux en cave au même endroit. Bah je sais pas, mais je sais pas. Mais tu vois, du coup, le fait que j'étais obligé de te répondre, bah du coup, il a entendu. Donc, FF. Du coup. Ouais, allô? Ouais, allô? Ça va, mec? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va, bah du coup, tu m'as entendu, c'est énorme. Bah ouais. Bah dommage. Voilà pourquoi faut pas parler. Snaze, tu l'as pas streamac? Hein? Snaze, tu l'as pas streamac, genre? Non, vraiment pas. Ok. Pourquoi? Non, je sais pas, on voit Seco sur son stream, mais vas-y. Non, quoi. Non, mais je pense pas, hein, il était... Non, je pense pas, je sais pas. Mais vas-y, une heure de jeu en cave, quoi. Je sais pas. T'as pas un diamant, mec? Non, j'en ai plus. Oh putain, fuck that shit. Bah bonne game, mec, amuse-toi bien, hein. Vas-y, bonne game. Putain, la game de merde. Je suis mort, sa mère. Bah c'est bien, tout le monde est en train de clamser.
Ouais, c'est lunaire. Hein. Bon bah au moins, si là on était pas sûr que j'étais cramé, là on le sait maintenant. Hein. Là au moins on est sûr. La game est lunaire, mais je te jure. Hein. Là au moins on est sûr que c'est le cas. Bon, il fait quoi l'autre avec sa réunion là? C'est quand qu'il fait la réunion de la Katsuki que je puisse jouer? C'est bizarre quand même. Hein. Bon, écoute. Hein. De toute façon, tu sais, hein, je pense le nombre de gens qui ont mon stream ouvert dans cette game, à mon avis... Donc voilà, merci Kokoyov en tout cas hein, pour le renouveau sub, ça fait super plaisir le retour effectivement, merci mec, hein, franchement ça régale. Hein. Et merci Snaze du coup, hein. Comment ça va? Ça va bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On sort ou... Bah non, du coup je vais chercher ma pièce supplémentaire du coup, hein. Je vais chercher mon dernier diamant. Mais c'est quand qu'elle arrive la réunion de con là? C'est quoi comme rôle? Je suis Idan? Ah bah voilà, parfait. Mais en fait j'ai tué le Naruto en cave, du coup je pense que je suis archi cramé, mais bon c'est pas grave. Et ben voilà, on a enfin du stuff, on va pouvoir sortir, ça y est. Bon après honnêtement, je m'attends pas à grand chose là. Hein. Je m'attends pas à grand chose là pour être honnête. Je pense que là si je sors, je décède à mon avis. Mais bon on verra, au pire ce sera très, très rigolo. De toute façon la game est dans une demi-heure, donc dans une demi-heure je devrais être mort normalement. Et par contre les enchantes là, ça y est. J'aimerais bien avoir protection en fait. Merci pour le... C'est quand que j'ai protection ça... Sinon en fait là... Ah bah enfin. Quand même. Il était temps. J'étais en train de me poser des questions là. Ok bah ça y est j'ai mon stuff, nickel. Bah il était temps quand même, hein. Là on a bien joué. Maintenant on va essayer de jouer vraiment. Mais j'aimerais bien que la réunion se fasse en fait. Hein, parce que là c'est vraiment cool mais... Au bout d'un moment... Gorge. Hein? Ok. Gorge. Ok, ok mec. Quoi d'autre sinon à part ça? Ok ouais. Les moments... Où tu cave, où tu discutes avec le chat, ça me manquait. Eh ben mec, tu vas être content parce que ce soir, on va y voir quasiment que ça. Donc bon. Ah ouais. Pourquoi tu fais pas un pantalon en diamant? Parce que c'est pas autorisé, ces trois pièces, la limite. Hein. Gorge. T'as fait Erasmus ou stage à l'étranger? Non, ça c'est un truc que j'aurais bien aimé faire, je pense. Mais... Non, non, non. Déjà, on avait pas les moyens, déjà. Pour commencer. Et surtout, bon, ce que j'ai fait après le bac, j'ai fait... Un DUT informatique que j'ai raté, je me suis réorienté, après je suis parti dans un autre DUT, là où j'ai dû déménager, et après à la fin de ce DUT là, en fait c'est au moment où YouTube a commencé à marcher, donc je me suis dit bah écoutez, je vais essayer de me donner à fond dedans, on va voir ce que ça va donner, et puis ça a marché. Parce que j'arrivais à 100 000 abonnés à la fin, donc je me suis dit bah écoutez on va faire un an de test, et ben bah, figurez-vous que je suis toujours en test là, hein. Ça fait 4 ans hein, maintenant. À quoi la game test full damage protection? C'est vrai qu'on pourrait tester en vrai. Hein. On pourrait tester ouais. Et les giga coups de souris, ouais bah ouais. Parce que j'ai une sensi qui est quand même assez faible, donc du coup je dois mettre des giga coups de souris. 4 ans de test, hein. 4 ans de CDI avec ma chaîne Twitch actuellement, là ça régale. Merci Gameboy, merci Dark Giant. Merci beaucoup, ça lag un peu, bah je crois pas hein. Je crois pas mon frérot. Je pense que des gens me l'auraient dit sinon si ça laguait. Bon la cam risque de se couper assez souvent, mais bon j'espère que ce sera pas le cas. Mais ouais la cam risque des fois de se couper, je vous préviens juste hein. Parce qu'elle surchauffe. Hein. Merci. Du coup, j'ai masse vidéo YouTube à rattraper. Ah bah là, oui, hein, là, t'en as beaucoup. Hein. Merci Pablo pour le Prime. Hein. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci beaucoup. Bon, sinon, la réunion, là, elle se fait jamais ou ça se passe comment, en fait hein? Mais... C'est pas possible. Enfin, non, on est d'accord qu'il y a bien, une réunion pour mon mate, là, non? Enfin, pour mes mates, pas le mien, mais genre... on est bien censé se retrouver tous à un endroit, quand même. Pourquoi ça se fait pas, là? Merci Pablo pour le Prime. Ils peuvent plus la faire après une heure. Non mais les abrutis frère. C'est une dinguerie de faire ça. Pas possible d'être abruti comme ça. Non mais c'est pas possible. Ah bon mais pour une chaîne tu as gagné au Mario quand... Oui voilà c'est gagné Mario ouais c'est ça ouais. Ah j'ai fait 10 points de plus. Hein. C'était serré quand même. Jusqu'au bout. C'est dur de vivre grâce à YouTube et au stream? Non non. Enfin c'est dur d'en vivre au début oui. Mais une fois que t'es dedans après il faut juste garder la cadence. Hein. C'est pas... C'est pas, en gros, c'est pas le métier le plus difficile, juste il faut trouver des idées, etc. Après, c'est pas non plus facile, hein, on va pas se mentir, il y a quand même des avantages aussi. Genre par exemple, moi je n'ai pas de vie sociale, hein, ça je vous le dis. Ma vie sociale est inexistante totalement avec le stream. Mais à part ça, sinon, bah après il faut garder le rythme quoi. Hein. Tu gardes le rythme, t'essaies de trouver des nouveaux trucs, mais c'est bon. Hein. Après. Mais oui, ça prend du temps à en vivre au début, ça c'est sûr, ouais. Vous pensez qu'en vrai là, non mais je vais me faire tuer dès le début, ça va être terrible, hein. Donc, Lo, elle a un taf à côté pour t'aider financièrement. Bah, elle fait sa boutique, plus d'autres choses. Enfin, voilà, elle fait ses petits trucs à côté, elle. Donc, voilà. Il faut être super créatif aussi. Pour YouTube, ouais.
Pour Twitch, en vrai, ça dépend. Et puis même aujourd'hui, pour commencer à en vivre, ouais. Faut être créatif aujourd'hui, ça c'est sûr. Pour commencer à en vivre, ouais, je suis d'accord à 100%. Donc ouais. Mais là du coup je vais trouver quelqu'un, je vais me faire tuer direct. Non, on est bien d'accord là. On est bien d'accord que là si je trouve un mec je meurs là. C'est le décès là qui arrive là les gars, non? Donc bon. Trop dommage mec si tu meurs direct là. Bon après je t'avoue que je me suis fait un peu cramer par l'autre gars en cave là. Au pire, je vais voir au 0-0 si tu veux. Mais bon. Je pense que je vais mourir direct. Hein. Qu'est-ce qui te rapporte le plus entre les deux? Twitch? Bien sûr. Twitch, sans aucun... Y a pas du tout de concurrence. Y a pas de concurrence parce que sur Twitch, je suis actif tous les jours. Sur YouTube, je suis actif tous les 4 jours. Donc forcément. Ou 5 jours. Des fois, pas actif pendant un mois. Ça arrive aussi. Eh, Saitama? Saitama, tu peux être gentil avec moi, bro, s'il te plaît. Tu peux être gentil avec moi et me dire ce qui s'est passé dans la game, bro. Pourquoi j'entends personne, hein? Ah, mais attends. Allô? Pourquoi j'entends pas? Attends, mais... Qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi j'entends plus personne? Ah, mais Saitama, je l'entends pas, par contre. Hein. Allô, comme... Attends, mais pourquoi il parle pas, Saitama? Il s'est fait d'aronnette ou quoi? Tu sais, mais je suis des links, hein. Bah, FF. Est-ce que quelqu'un peut être gentil et me raconter tout ce qui s'est passé? Ou pas? Oui. En fait, je vous explique. Moi, je demande juste qu'on m'explique ce qui s'est passé. Parce que, en fait, il y a un mec qui est mort, qui était en spec, qui est venu me poser la question qu'est-ce que je faisais en grotte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai expliqué ce que je faisais en grotte, sauf qu'il y avait un mec à côté qui expliquait. Donc, du coup, bah, forcément, il a entendu mon rôle. Parce que je répondais à un mec en spec. Du coup, juste quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe dans la game, juste? Et après, je m'en vais? Non, là, tu es taché, Colet, là, il est Kisame. Voilà. Ah, ok, voilà. C'est juste ça. Ok, bah merci. Merci de l'info. Au revoir. Ouais, au revoir, ouais. Ça. Bah oui, tu m'étonnes que les gens disent que je suis Akatsuki, étant donné que. Bah, je l'ai vraiment dit en cave à Cookie parce qu'il m'a posé la question à vote, quoi. Donc, le Naruto en cave, la dévo. Non, pas le Naruto, mais sûrement l'autre mec, oui, qui était là. Qui m'a entendu en cave à côté. Je sais pas ce qu'il foutait à 1000 blocs, hein, comme moi, mais... Salut, salut les gars, faites pas attention à moi, je fais que passer, vous inquiétez pas, y'a pas de... Y'a pas de problème. Non, y'a pas de soucis, je fais que passer, y'a pas de problème. Je suis en train de chercher du monde, là, je fais que passer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, tu sais que, genre, je suis resté 5 minutes au-dessus de toi. Mais non, mais je sais, mais en fait, y'a eu un mec après en cave, de toute façon, qui est venu me poser la question en mode... Y'a un spectateur qui est venu me dire en cave, qu'est-ce que tu fous, cave? Du coup, j'ai expliqué, et y'a un autre mec à côté qui m'a entendu, frère. Genre, du coup, forcément, tout le monde connaît mon rôle, parce que y'a un mec qui m'a entendu en cave, parce qu'un spectateur m'a demandé, en fait. Donc oui, donc moi, je viens juste essayer d'avoir des infos et pouvoir jouer une game, et pas me faire tuer à 1h17 de jeu. Tu vois, je veux juste savoir ce qui se passe, quoi. Je n'ai rien au centre. Mais bien sûr que c'est moi qui l'ai tué, t'es fou, toi. J'ai joué avec lui pendant 25 minutes, t'es ouf! Bien sûr, je l'ai tué après, bien sûr! C'est le faux! Mais non, mais c'était trop drôle! C'était trop drôle! Mais c'était trop drôle, mec! C'était trop drôle! Non, mais c'était la game du siècle! C'était la game du siècle! C'était la game du siècle! C'était un moment légendaire, je te le dis! Pendant 15 minutes, je me suis tapé des barres comme jamais, vraiment! Hein? Tu t'es bien l'abattoir, non? Quoi? Time to shine, bro. Ah, méchant, j'entends rien ce que vous dites, vous parlez tous en même temps. Fermez vos gueules, il y en a un qui parle, frère. Pourquoi il n'y en a pas un seul qui peut parler? Parce qu'ils savent pas parler, ces animaux. Mais tu dis ça, mais tu parles en même temps que les autres aussi, hein, donc bon. Oh, je comprends rien ce que vous dites, c'est bon, ça me saoule. Vous parlez tous en même temps, là, c'est bon, ça me saoule. Ils sont pas capables de parler en communauté, genre. Même si le streamer privilège a ruiné ta game, il te sauve aussi. Non mais arrête, tu peux pas me dire que le streamer privilège sauve ma game étant donné que vraiment on est venu me poser la question en cave de quel rôle j'étais, quoi, quand même. Donc non, non. Quoi? Qu'est-ce que vous avez? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Gozai, il s'est fait camou. Mais Gozai, il est parti où, là? Ouais, je ah bah là, il s'est fait convoque. Non, il y a pas la convoque, hein, les gars, je vous le dis, il y a pas la convocation, hein, je vous le dis. Hein. Non, non, il l'a pas fait. Pas faire la vanne, du coup, y a pas il y est pas. Non, non, il s'est pas fait convocation, il s'est pas fait. Ok. Donc non.
Voilà. Okay. C'est juste fait tuer par l'Obito ou un autre, du coup. Ah mais non, il s'est juste fait tuer par le Kakashi, c'est tout. J'ai une question avec Patrick à poser. Oui. Est-ce que tu connais Tom? Tom? Non. C'est qui Tom? Ton père. Laisse, non, en vrai, c'était une blague. C'était pour 20 balles, je devais faire ça, merci, tu m'as payé mes minions. C'est vrai? Ouais. Pas de soucis, mec. Pas de soucis. Après les coups d'épée, t'es mérité, mais... Ouais, c'est vrai, hein. Putain, mais fils de pute, Digoza, il pourrait me dire de faire ça. Je le déteste. Sinon, les infos, c'est quoi? Les infos, c'est que t'es méchant. C'est que t'es méchant, ouais, c'est que j'ai tué Madara et Yondaime. D'accord, et après? C'est cool, il est à coup avec... Ah bah non, il est Zabuza avec... Et après, à part non, ça, qui sont les autres méchants? Bah moi, c'est par exemple. Oui, ça je sais. Ouais, je sais que tu sais, moi aussi je sais. Et après? Et après? Après, je sais pas. Ah si, après, il y a Kona. Moi, je suis pas méchant. Vous êtes des tarés. Merci Linksaville, merci Pablo. Ouais, et après du coup, et après? Après c'est tout, moi j'ai pas... Il veut pas faire la convo, je trouve. Bah oui, il veut pas faire la convo. Il est un peu chiant. Il est un peu trop premier quand même. Vous me tuerez pas vous. Non hein. Bah non, on compte pas tuer hein. En plus c'est faux, j'ai pas du tout... J'ai pas tué le Naruto, c'est une blague en plus, c'est faux. C'est faux. T'as pas tué mon pote, genre relou. Putain. Hein? Allô? Ça bug hein. Ah ouais? Tu t'es dévot? Régale! Wesh le cochon! Il a pris une balle perdue. Donc voilà. Attends, donc du coup tu viens de gagner 20 balles et en plus de ça, tu vas tuer ton pote? Mon pote, je suis heureux. Mais ça marche pas! C'est quoi qui marche pas? Ah mais il est Minato! Il est Minato, ouais. Oh le bâtard! Tout à l'heure j'ai fait semblant de l'attaquer, elle a fait une course poursuite. Non! Je sais pas courir! Non, vous avez pas le droit! Comme ça tu tues, voilà, t'as tué Naruto et Minato, allez hop! Attends, ces mecs sont des tarés, putain! C'est des malades! Wesh, il avait une perle, y'a pas le droit de perle! Vous avez pas le droit! Vous êtes des ouf, hein! Vous êtes des fous, hein, les gars, je suis désolé, mais vous êtes des ouf! Bonjour, collectif UHC, Guy! Non, vous êtes des dégénérés, mentaux, qu'est-ce qui vous arrive là? Oh, je suis mort! Ah, vous êtes des vrais animaux, hein! Patrick! Oui. Tiens, ce que dit que je l'ai fait! Et je pense qu'il est en train de pleurer premier degré là! Non, je parle pas! Ah, y'a droit à perdre! Mais bah, en fait, parce que j'ai utilisé 3 capsules de mes rôles, mais 3 capsules n'ont pas marché, genre ça me rend fou! Tiens, à mon avis, tu les as pas bien utilisés parce que moi le rôle il marche très bien quand je l'ai eu. Hein. Vraiment, après, c'est la première fois que j'ai eu le rôle donc. C'est qu'il y a pas de cooldown. Bah, tu veux savoir ce qui était très marrant avec le Naruto, c'est qu'au moment où il y a eu à 30 minutes de jeu, 30 minutes 00, je vois les coordonnées du Naruto sont machin. Je regarde Meko, c'est Meko. Il était derrière moi, littéralement. Mais ça m'est arrivé la dernière fois. Trop drôle. C'est arrivé à un pote la dernière fois, il s'est trompé de personne, il a tué Kakashi, il s'est fait ban. Salut. On explique tout ce qui s'est passé. Faites pas attention à nous. Qui? Oui. Ouais. ouais, non, je vais pas me faire qui m'a demandé par lui, ouais, c'est moi. Ouais, c'est vrai qu'on dirait les vidéos TikTok hein, quand même, on va pas se mentir. Bah après je crois que c'est des TikTokers non Hugo, ça c'est pas un TikToker? Non, c'est peut-être lui qui est un TikToker, il a dit il a payé mes minières. Ah non, c'est du short YouTube ça, c'est sûr alors. Bon. Tu parlais de miniatures tout à l'heure. D'accord. Tu fais des vidéos? Tu fais des shorts? Non, des vidéos. Tu fais juste des vidéos, tu fais pas des shorts, putain c'est dommage. Non, c'est une... Je vais pas faire une miniature pour un short. Non mais je sais pas, vous avez un potentiel de faire des TikTok là, hein, vu comme vous êtes fou. Non, la flemme. Vous inquiétez pas, tout va bien, on fait que passer nous. Hein. Sinon t'as pas d'info toi? Non, juste la Ino qui a donné un random mate et tout. Ah bon, c'est qui? J'ai pas lu. C'est Cola. Ah oui, c'est vrai, putain ils me l'ont dit en plus après. J'ai que ça. Mais comment on est censé jouer si le mec qui a le rôle ne joue pas en fait chez nous? Bah on joue pas. Comment on est censé faire en fait? C'est quoi cette match de merde où on a même plus l'info de nos mates hein? Et c'est quoi cette match de merde où on peut même plus connaître nos mates? Comment on est censé faire en fait là? Bon, y'a des gens derrière, ils sont pas rigolos. Bah oui, hein? De quoi? Quoi? Mais c'est tranquille là. Mais on peut pas jouer la game parce qu'on a pas de mates en fait, on peut rien faire. Genre nos mates on sont AFK en fait, littéralement, y'a rien, on ne joue pas. Déjà qu'on m'a dévoué mon rôle en... Pardon, mon dévoué mon rôle en cave, mais genre un spec m'a entendu en cave, ouais, donc... Ça m'étonne pas ça. Oh, fais chier, frère, c'est merde. Ah mais c'est toi, putain, c'est toi qui m'a dévoué, en fait. Quoi? Qui? Oui, c'est lui, là. C'est lui qui m'a entendu en cave, là. Okay. Y'en a un? Oui. Ah non, c'est Snace. Non, j'ai confondu. Non, je confonds. Salut les gars. Salut, bon, vu que nos mates ont décidé de pas jouer, on est Akatsuki qui sont nos mates. On est Akatsuki, venez avec nous. On n'a pas nos mates qui sont nos mates. On est Akatsuki, venez avec nous. J'ai perdu 4 coeurs, putain.
T'es chaud. On est Akatsuki, désolé. Si jamais Yanomade venait, n'hésitez allez, pas. Wesh les gars, wesh. Bah oui, Nomade ne joue pas frère, c'est une dinguerie. C'est quoi cette mise à jour de merde où on peut même plus avoir au moins un Nomade hein, à part ah, ça là, c'est juste gaffe que bah, nos deux chefs ils jouent pas quoi. Mais c'est un truc de fou quand même genre. C'est juste bon. Vas-y quoi. Mais c'est toi qui sais. Ouais, moi. Enfin, t'as acheté, tu dis fais ta pitié. C'est trop tard, il peut plus la faire. C'est jusqu'à une heure de jeu. Oui, il peut plus ah la faire. Ouais, ok, super. Trop tard. Trop tard, il peut plus la faire là. Non, je te jure, hein. Ah ouais. Fun. Ah ouais, non, je te jure, hein. Elle a l'air marrante, votre game. Bon, au moins, on a bien rigolé, au moins. Moi j'ai, ouais. Moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment en cave avec le Naruto, au moins. Ça, je peux te le dire. Mais après, le reste de la game, après. Viens, on retourne au 0 et on regueule au 0-0 pour se trouver certains. Vas-y, si tu veux, on retente. Mais oh putain, compliqué. Mais ils sont encore là, eux. C'est des fanboys. Bande de fanboys, là. Laissez-nous ouais, tranquille, ouais, on essaie de trouver un nomade histoire qu'on puisse jouer, que la game soit marrante. Déjà que la game est vraiment nulle actuellement. Ah ouais? Les gars, y a peut-être des méchants ici. Ah bah, on se retourne alors. Wouh. Wouh. Quoi? Attends, non, mais attends, là, y'a un problème là. Ouais, y'a pas de problème. Comment j'ai perdu 7 coeurs d'un coup là, en un coup? Ah, c'est parce que j'ai utilisé un pouvoir, t'inquiète. Ah, ça va, c'est pas trop cheaté en tout cas comme truc. Ouais. C'est quoi mes commandes en fait? Je connais pas mes commandes. C'est qui? Toi t'es gentil toi? Moi j'ai gentil moi. Je connais pas nos mates, écoute, hein, je sais pas. Joue pas au jeu. Toi t'es méchant. Aïe. Aïe. Salut mec. Il est méchant lui? Il est gentil? Non, arrête. Ok. Je suis avec vous. Ah ouais, Bidi Boy aussi? Ouais. Bah apparemment. Let's go. Du coup, Ah mais c'est pour ça que t'es venu en cave avec Naruto? Ouais, je t'ai vu, t'étais en train de t'amuser, je me suis dit, je vais partir. Ouais, j'étais en train de m'amuser là, c'était génial. Eh ben, game de ouf en vrai, vous en pensez quoi? Mais Betty Boy, t'es Ida, mais non, mais t'es vraiment ce rôle là, pourquoi y'a pas eu la putain de Ryu? Qu'est-ce que vous avez foutu, frère? Oui, non, mais on attend pas, c'est pas moi le truc. Et vous pouvez la faire aussi, non? Tu peux la faire, toi, je crois. Non, bah, je ça m'a rien dit. Non, moi je peux pas le faire. Je sais pas, Igoza, je sais pas. Je sais pas, ça fait plusieurs fois que j'entends ton pseudo. Je suis avec mon mec depuis le début, puis genre on croise tout le monde, mais personne vient nous voir. C'est qui ton mate? Moumou. Mais on n'a pas vos pseudos. Ah, mais du coup j'ai fumé. Y'a plus vos pseudos. Mais non, vous êtes censé faire une réunion pour qu'on puisse avoir la liste. Du coup je commençais à fumer. On n'a pas vos pseudos. Comment vous voulez qu'on vous trouve? Mais du coup je savais même pas de. Bah désolé, vous. Mais Moumou, on n'a pas vos pseudos, vous êtes au courant quand même. Bah oui. Mais non, on n'a pas vos pseudos. Ah mais je comprenais pas pourquoi personne nous. Bah oui, vous êtes censé faire une réunion. Ah ouais, réunion, on sait pas le faire. Bah oui, c'est trop tard, oui, on sait très bien, c'est pour ça qu'on en a plus rien à foutre et qu'on est allé au 0-0. Hein? On t'a cherché toute la game, nous. Mais c'est normal, j'étais avec le Naruto en cave. Bon bah, j'ai rien. Du coup, si vous saviez pas, c'est Lali le Lobito. Non, oui, ça je savais puisque le Hino m'a tout donné. Ah, c'était lui le Hino. Non, je suis trop. Je suis dégoûté, il m'a dit ouais dans les vidéos de guild t'étais pas si méchant Utako. Ah. Est-ce que vous avez des gaps? Ouais, j'en ai un peu. Merci Lou Rider, merci Fredo, merci Socho. Bah désolé fumé aussi parce que bah, en oui, fait je savais pas. Bah oui en fait c'est très simple, nous en fait en gros quand on est pas avec quand on est dans le camp, on a juste l'identité de notre mate. Voilà c'est tout. Ok. Donc, moi j'avais l'identité. Non, ça a changé ça. Ça a changé oui. Pas moi des gaps s'il vous plaît. Mais ça fait un petit moment, tiens. J'en ai 5. J'en ai que 5 là. T'as fait un petit moment que c'est ça. Du coup moi je suis allé au 0-0, j'en avais plus rien à foutre hein, je te le dis hein. Ok mais my bad, j'ai jamais été à Kutsuki moi. Ah mais c'est vrai que tu joues jamais ce mode de jeu toi. Ouais. C'est vrai que dès qu'on t'a croisé on a fait bah on va y aller. Ah mais j'ai ce pouvoir là, c'est vrai. Attends mais c'est vrai, moi je vais pouvoir jouer mon rôle, let's go. Trop bien. Bon au moins on a bien rigolé au moins. Merci Magico, merci Socho, merci les gars. Ah oui Gozai, je croyais que t'étais un TikToker. Désolé. Je sais pas, je t'entends J'entends souvent ton pseudo, donc je me dis maintenant, le moyen de percer maintenant, c'est sûrement par TikTok, donc... Merci Max, pour le Prime aussi. Et merci Linksabil aussi pour les 22 mois de sub. Et je crois que j'ai oublié personne. Merci les gars. Ouais. Bon, et du coup, on a toujours pas la liste, hein, du coup. Parce qu'on a tué Hiroshima. Bah, c'est Nuka. Oh, ils viennent de faire... Pourquoi ils sont en rouge, là? Pourquoi ils sont en rouge? Pourquoi je suis en rouge? Ah, je crois qu'ils sont non, à mais deux reste... en attends, fait. On est plus... Ah oui, mais il reste que nous. Ouais, en fait, mais sinon, je crois que ils sont en rouge. Là, y'a un mec. C'est un Dex. Il ne reste plus qu'un mec à nous. C'est X2. Ouais, X2 ou.
Ah, XD, c'est, ok. C'est mon copain, c'est... Oh, il y a des mecs là-bas. Il y a des explosions, quoi. Il y a Guy ou... Là, c'est le mec qui... Merci. Mais t'as pas des gars, vite. Qui veut des gaps, vite. Qui veut des gaps, s'il vous plaît. Moi aussi je les veux ces gaps là. Oh, elle court. Non. Moi je les veux ces gaps. Les gaps. Voilà, oh, merci pour les gaps. Allez, on continue. Merci pour les gaps, voilà, c'est bon. J'en ai, je les ai pas eu. Non, c'est lui qui les avait. Mais il a donné des gaps à son mate donc. Écoute, hein. Pam. Moi sur qui? Ah, mais c'est vrai que mon rôle est trop fort en fait, je viens de capter. T'as pas speed force ou un truc comme ça? Non, j'ai force tout court, par contre j'ai un truc qui me met immortalité pendant 20 secondes. Nice. Ah, pas trop fort. Non. Ouais. Ah, mais ils sont c'est sur fort. Moi. Oui, salut. Bon, c'est-à-dire que tu parlais quand même, donc t'aurais pu t'en rendre compte. Hein. Oh merde. Mais j'avoue que par contre, la mage où on connaît même plus l'un de nos deux chefs, c'est vraiment éclaté. Ah, bah ouais, c'est ouais. Combien de temps? C'est notre bad. Non, mais vraiment, je trouve ça vraiment éclaté parce que nous on était en cave en mode bah ils vont la faire quand la réunion là. Genre par exemple, Xetor en fait, on l'a croisé 40 fois et il venait jamais avec nous. Bah ouais, et du coup, il était tout le temps infiltré. Quand je suis arrivé vers lui, genre on a commencé à faire n'importe quoi parce qu'on savait que de toute façon on savait pas qui était nommé. Donc genre on allait au 0-0, on gueulait, on faisait qui sont Akatsuki. Nous on les venait. Genre et du coup, bah, parti en couille. Bon, bon. Tu veux pas nous rejoindre? Wouh, non. J'ai Carnage en Kakuzu pour l'interrogation? J'ai dit Gap. Kakuzu la légende? J'en ai 7. J'en ai un peu, j'ai 15 des pommes d'or. Eh oui. Eh oui, l'équipe. Oh, non. Il y avait quelqu'un qui avait notre bague d'eau. Quelqu'un veut des. Quelqu'un... Écoutez, vous savez quoi? Je donne 5 pommes d'or, vous voulez répartir. Moi j'en ai 10, c'est bon. Ah bah pour Momo ou Betty Boy. J'ai 15 cœurs, 10 Gap. J'en ai 7, ça donne une. Ah, c'est encore 4 pour Ushimaru, mais comment c'est possible? Il y en a tellement qui sont morts. La game est lunaire du début à la fin, vraiment, hein, je vous jure. Attends, Sasuke, c'est qui déjà? Il attaquait Ozir tout à l'heure, et je sais plus qui c'était. Salut, il joue DDD. Salut. Ouais. Bah, salut, ah, mec. Bah, t'es là, on est 4, hein. Tu faisais quoi? T'es quasiment pas joué. Je connais pas même qu'est-ce que je fasse. Bah, oui, non, mais t'inquiète. T'inquiète, il vient de comprendre. Il vient de comprendre. T'as pas mon pseudo? Oui, j'ai que ton pseudo. Ah oui, donc okay, maintenant il nous reste que nous, mec. Il reste que nous 5, ouais. Voilà. Que... Là-bas, il y a le 8 tiratons, tout ça. Là-bas. Eh ben, on y va. Mais j'ai une question, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour, c'était quand ça? T'es cramé ou pas? Moi, à ma dernière game, je connaissais mon chef. Ouais. Je crois qu'il y a Salt et CT qui sont en train de se battre là. Ah ouais? Ok. Mais je peux pas dire. Ah, il y a du monde là, il y a Salt. Ah, il y a Astrix. Ah, il est dans Zo. Qui est dans Zo? Oh, le bâtard. Vas-y, viens, je t'aide, dis-toi. Vas-y, on t'aide. Ouais. Non, mais casse-toi, on est déjà 4. Ah ouais, mais nous, mais on est pas avec vous, donc Du coup, il me tabasse. C'est bon, moi, non, tabasse, c'est un bien grand mot, je mets un coup d'épée. Je mets un coup à la main. Tiraton, tu vas mourir. C'était vrai, j'étais méchant. Mais ça, on le savait que t'étais méchant. Moi, je regarde, écoute. Vas-y, sale, vas-y, casse-lui la gueule, vas-y. Non, c'est le Hokage, ça m'intéresse. Qui est le Hokage? Je t'aide. Viens, je t'aide. Non, mais kill, tu vas quand même pas laisser le Danzo avoir le kill. Mais non, attends, je le tue une fois. Il a chômé, Salt. Oh, t'es devenu l'autre de chômé? Non. Tu sais que cette game, elle est lunaire du début à la fin, ça n'a aucun sens. Ah, mais du coup, tu es méchant avec toi. Bah oui. Ah, mais reviens là, frère. Bah ouais, je suis l'autre de chômé, mec. Non mais reviens là. Ils ont perdu le fight là. Passe, viens, on passe. Tiens, derrière. Voilà, comment ils ont fait pour perdre le fight? Merci, t'inquiète, vas-y, viens, on se bat. Comment ils ont fait pour perdre le fight? Parce qu'il pue la merde, moi je te le dis pourquoi. Pourquoi t'es en deux fois là? C'est mon pouvoir. Je sais pas, j'ai cliqué sur un truc, ça a fait ça. C'est quoi cette game de merde? Attends, mais y a, ça se bat encore là-bas. Qui se bat avec qui? Oh, Moumou. Évidemment, je suis contre un Death Rider. Bah, par contre, combien là? Bah, oui, mais bah, c'est coup, on est dans le fight. Non, on est dans le fight, non, t'inquiète, on est avec eux. On est avec Moumou. Oui, mais t'es dans le fight. 5 du coup là. Non, mais t'es 4. Ah. Non, t'es 4. Je déteste ce tirant pour pas avoir Saknobi, Saknobi derrière moi. L'autre de chômeil arrive, l'autre de chômeil est là. Ouais, bah, l'autre de chômeil va au lobby surtout. Ah non, j'ai tué tellement de gens, mec, t'imagines même pas. Ah ouais? Ah ouais, là, je suis à mon prime là. Ah non, je suis tous les gens là-bas là. Tu penses? Tu vas être déçu. Viens, vas-y, on continue. Il a 0 vie. Ma souris bug. Non, je pense qu'il a 1 ou 2 kills, mais. Ouais, t'inquiète, j'ai 1 ou 2 kills. Ah, mais c'est toi, il y en a combien?
Oui. Bah je vais pas te dire mec. Non mais vas-y, dis, sois honnête avec moi. Non, moi je te... Non, j'ai pas... On est amis, on est amis, on est presque super amis sur Pokémon Go, man. Mais t'as dit qu'on était pas amis un truc sur Pokémon Go et moi ça m'a très vexé, donc non. De quoi? T'as dit quoi? Ah oui, tu voulais... Ah mais parce qu'on est pas amis sur la 3DS et du coup t'es pas content, c'est ça? Sur la 3DS non plus, on est pas amis, c'est vrai. Bientôt. J'ai toujours pas le code ami, donc... Ok, bah je te donne mon code ami, c'est... Pendant que tu me chases... C'est 1, 3, 5, 8, 7... Je sais pas, je dis au hasard. Ah mais attends, faut que je tape sur la console, merde. Ah ok ok, bah vas-y tape. Je vais te TP à moi là, reviens. Vas-y TP moi, vas-y. C'est vrai, tu veux? Non, TP pas, je veux le taper aussi. Ok ok. Attends, il a fait respect du coup, t'as Katon. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Katon? Ah, je suis Gakuzu. Non, je suis l'autre, Idan. Ah donc y'a plus de Ah mais oui, mais c'est vrai qu'en plus je l'ai dit que c'était Idan, vu que ton teammate il s'est fait allumer. Oui. Non mais t'inquiète, tout le monde était au courant étant donné qu'en cave il y a Cookie qui est venu me poser la question en mode qu'est-ce que je fais en cave, et je lui ai dit bah mec j'ai tué le Naruto, et un mec à côté, m'a entendu. Je suis passé à un putain de coup du Hokage frère, j'ai trop le seum. C'est vrai? Oui. C'était qui? C'est le Kodan qui l'a one tap. C'est Yonra. Ah c'était Yonra. Il l'a one tap, putain. Y'a Saitama qui se ramène derrière, on sait pas ce qu'il est, ça me... Il est nul même. Non. Allo. Ah. C'est toi Saitama ça? Tu parles? C'est moi ouais. Mais j'étais pas avec toi en tout cas. Je suis pas avec vous. Il est Danzo? Ouais, il est Danzo ouais. Vous êtes safe? Ouais. Tout safe ici. Tout safe ouais. Oui, il est pas safe du coup. Merde de TNT qui m'est tombé dessus là hein. Bah ouais bah tu m'as mis un cœur voilà. Non mais gros baby Groot c'est du Link là vraiment. Ouais. Bah tu m'as mis un cœur quoi. C'est vrai. Mais pour ça t'as pris toute l'été. Salut la team. Ouais. Oh mort. Ah non j'ai pas. Gap, hein. Je pense pas qu'on va nous tuer en deux. Vous avez pas joué? Genre j'ai zéro tu m'as en fait pas enlevé toutes mes gaps. Vas-y. Non mais je crois que... faudrait maintenant en fait, genre je suis à ouais, là, zéro. Pas, je peux... Mais non mais putain il y mais... avait, il y avait... Oh là là mais putain de mes mates. Pas aidé hein dans cette game hein, franchement hein. Fait tomber sa TNT qui me fait tomber un cœur. C'est jamais vu frère. En mode non je te donne rien. C'est possible? Comment c'est possible? C'est toujours bugué du coup. Non. Je suis mort avant, j'ai perdu 8 cœurs. C'est l'autre de Son Goku qui t'a fait des dégâts en toi. Un cœur. Pas possible. Il faut pas mettre ce pouvoir je pense hein, quand on est dans le fight hein. Mon avis hein. Toi en plus hein. Ouais non je sais mais je pense qu'il faut pas mettre le pouvoir. Ah je tombe. Merci. Merci beaucoup. Merci. My bad j'aurais dû plus boost. J'ai pas remarqué je t'avoue. J'ai pas remarqué t'inquiète. Ah oui. Ouais normal. Pourquoi tu n'as pas eu de l'invocation pour qu'il reçoive les dégâts? Parce qu'il faut que je pose le truc et après je tape avec la OU, donc Le problème c'est qu'en fait c'était trop long à faire et dans un fight comme ça je peux rien faire en fait, c'est ça le truc. Dans un fight comme ça où en fait mes mates sont... je sais pas ce qu'ils faisaient là, on sait pas où on était. Mutako je crois qu'il se faisait démarrer en plus. Hein. Donc bon. Dommage la Katsuki a pas joué. Bah en fait ils ne savaient pas qu'ils étaient obligés de faire la réunion, ils ne savaient pas en fait. Donc oui effectivement il faut bien faire la réunion. Et du coup, on pouvait effectivement pas savoir, ouais. Donc voilà. Eh ben tant pis. Edera, c'est nul aussi. Bah ouais, raison de plus pour pas utiliser les pouvoirs. Hein. Clairement, hein. Bon. Plus tôt dans la semaine, t'avais pas dit qu'il y avait un leak sur UHC World aujourd'hui? Non. Non. Trop chiant, les mecs, ils connaissent pas le jeu. Non. Mais en vrai, j'avoue, quand t'as un pouvoir comme ça, il faut l'utiliser, quoi. Tu l'aides pour configurer le Demon Slayer? Je vais voir, mec. Je vais te dire ça. Je pense que l'IP, ça doit être la même